C'est bon, on peut aller. Zulf Lawan, salam alaikum. Bonjour, bonsoir à tous nos amis, ceux qui ont l'habitude de nous suivre dans nos débats sur Alterna TV. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir des invités. Certains ont l'habitude de passer sur Alterna TV. On les a vus sur des thématiques liées au Hirak. D'autres, ils sont nouveaux, mais c'est avec plaisir qu'on les reçoit. Sur une thématique, vous l'aurez deviné, spécifique. On ne l'a jamais abordé depuis le début de l'aventure Alterna TV. Il s'agit de parler des... Je donne l'intitulé comme ça parce que c'est l'intitulé d'un ouvrage collectif dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Ils sont en partie les auteurs de cet ouvrage très intéressant, très pertinent, qui va susciter certainement beaucoup de réactions, beaucoup de débats. Je donne l'intitulé « Les mouvements amazighs en Afrique du Nord, élite et forme d'expression et défi ». Donc, ça va parler de cet ouvrage, des résultats auxquels sont parvenus un groupe de chercheurs. L'intérêt, c'est qu'il s'agit de chercheurs appartenant à plusieurs pays d'Afrique du Nord, depuis le Maroc jusqu'à l'Égypte, en passant par l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Un travail qui a été dirigé par le professeur Nasser Djabi. C'est celui-là que vous connaissez, qui est passé à plusieurs reprises sur Alterna TV. Un ouvrage très intéressant parce qu'il aborde la question de particulièrement de la genèse, des mouvements amazighs à travers ces différentes aires et entités géographiques. Il fait l'effort d'une approche comparative de comprendre les origines de ces mouvements, leur contenu en termes de revendications, mais aussi de trames sociales, mais aussi du rôle des élites et les formes d'expression qu'ils ont prises. Chacun suivant l'influence du contexte et de la dynamique nationale à laquelle il appartient. Sans trop tarder pour présenter nos invités, Nasser Djabi n'est plus à présenter, professeur de sociologie à l'Université d'Alger. Il est chercheur au CREAD, connu pour ceux qui lisent la revue du CREAD, mais aussi d'autres, Centre de recherche en économie appliquée pour le développement. Il est spécialiste des questions syndical, c'est comme ça qu'on le présente. Il a aussi plusieurs ouvrages qu'il a publiés, L'État et les élites en 2008, et aussi un ouvrage, j'imagine, publié en langue arabe, Limada Ta'akhara Arabi al-Jazairi, c'était en 2012. Nous avons aussi avec nous Mohamed Kourou, sociologue, professeur de sciences politiques à l'Université El Manar de Tunis. Il est consultant en développement auprès d'organismes nationaux et internationaux. Il a plusieurs ouvrages, dont ceux qu'on va citer. L'autre révolution, j'ai lu, j'espère que je ne me trompe pas, il va me corriger, il m'excusera à l'avance. L'autre révolution d'islam, d'ici et d'ailleurs. Hommage à Clifford Geertz, c'était un hommage qui a été rendu, j'imagine, à un auteur, 1926, chercheur, 2006. Nous avons aussi avec nous Khalid Mouna du Maroc, anthropologue, professeur à l'université Moulay Ismail de Meknès. Il est chercheur associé au centre Jacques Berck, CNRS à Rabat, Maroc. Et ses publications, elles sont diverses. Elles portent sur le phénomène de drogue, le cannabis, le corps, les migrations et la mobilisation sociale printanière post-arabe. Il a publié notamment, l'intitulé est bien indiqué, « Identité de la marge, approche anthropologique du RIF ». Nous avons aussi parmi nous Samir Larabi, aussi un habitué d'Alterna TV, il est militant politique, il est chercheur en sociologie politique à l'Université d'Alger. Il a particulièrement, je cite ici, participé à une recherche qui a porté sur les mouvements syndicaux et sociaux sous toujours la direction de Nasser Djabi. On aimerait bien en parler plus tard, ramener un débat sur Alterna TV, sur les mouvements syndicaux et sociaux en Algérie. Avec moi pour l'animation, notre amie Jamila Haddar, connue aussi, militante, journaliste, enseignante de langue française ici au Québec, mais qui est très active par sa qualité de militante dans les mouvements amazighs, les mouvements culturels, identitaires et linguistiques, auxquels elle a participé de longue date, comme beaucoup de militants de la région de Kabylie.
Elle va m'accompagner dans ce débat. On va essayer de réagir à ce qui va se dire. Je dirai avec beaucoup de regret que je n'ai pas pu avoir entre les mains l'ouvrage en lui-même. On aimerait bien le diffuser, le faire connaître au-delà de ce qu'on peut dire ici. Donc, comme d'habitude, sans trop tarder, je vous demanderai à chacun de faire l'effort de respecter 10 minutes, maximum 12 minutes, pour une petite introduction, faire connaître le contenu de cet ouvrage, particulièrement votre contribution et le rôle que vous avez eu à jouer pour la réalisation de ce travail-là, je pense inédit en Algérie. Je ne connais pas les situations ailleurs, mais en tout cas en Algérie, il est inédit de cette ampleur-là parce qu'il s'est appuyé sur des enquêtes de terrain, des enquêtes qualitatives. On aimerait donc avoir une substance comme ça pour pouvoir susciter des réactions et discuter au cours de cette séance. Donc, sans trop tarder, je donne la parole au professeur Jabi Nasser pour nous donner cette synthèse. بخير شكرا شكرا للاخوان في كندا في كيبيك، شكرا للزملاء اللي قبلوا الحضور معنا. تكلم على الاستاذ كرو، الاستاذ خالد منى، الاستاذ العربي. المجموعه بالطبع اكبر من هذو اللي حاضرين معنا. كاين فيها مجموعه متكونه من 11 باحث. اريد في البدايه ان ترحم على روح صديقنا وزميلنا نور الدين حرامي اللي شارك معنا في البحث هذا واللي توفى قبل ما يخرج يصدر الكتاب. البحث هذا أنجز إذن في 5 دول من شمال أفريقيا، لي 5 بيي دافريك دو نور، ليجيبت، لالجيري، لو ماروك، لا تونيزي، لا ليبي. وداخل هذه البلدان قمنا بدراسات حول 9 مناطق، لأننا من بعد سنكتشف بأننا أمام حركات أمازيغية في البلدان، لكن هناك خصوصيات للجهات، للمناطق. ما يميز الريف في المغرب يختلف، قد يختلف في بعض تفاصيله عن ما يميزها في منطقة السوس، ونفس الشيء بالنسبة للجزائر وتونس وليبيا. إذن قمنا بهذه الدراسة لمدة سنتين. أود كذلك أن أشكر لو سي آر دي لي كانديان كي أون فينونسي هاد لا روشيش. وقمنا بهذا البحث لمدة سنتين. قمنا ركزنا على الجوانب المتعلقة بالديموغرافيا والسوسيولوجيا والعلوم السياسية. يعني احترمنا التخصصات تاع المجموعة. المجموعة فيها الأنثروبولوجي، فيها علم السياسة، وفيها علم الاجتماع. وقلنا بأننا سنقوم بدراسة شمال أفريقية للمسألة الأمازيغية، اللي في السابق حتى الآن الدراسات هي دراسات غربية، يعني في الغالب هي دراسات غربية اللي احتكرت هذه جامعاتنا، مراكز بحثنا في المنطقة ما اهتمتش كثير، ما فيش دراسات كثيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالجانب هذا السوسيو ديموغرافي السياسي. إذن قلنا بأن ركزنا في البحث هذا على قراءة من أسفل للمسألة الأمازيغية، وحاولنا أن نعرف، لأن طرحنا إشكال في قضية عندما بدأنا نحرّوا في البحث. لمن نتوجه في هذا البحث؟ هل نتوجه للمتخصص الذي يعرف كثيرا عن الحركات الأمازيغية، أو نتوجه للقارئ المتوسط الذي لا يعرف والذي يجب أن نوصل له المعلومة والتحليل فيما يتعلق حاولنا نمزج بين الاثنين. الدراسة ركزت في البداية على المعطيات الجغرافية الموضوعية، هذه كما قلت من أسفل، الجغرافية الديموغرافية. من هم هؤلاء الأمازيغ حاليا في شمال أفريقيا؟ أين يتواجدون؟ ما هي ديموغرافيتهم؟ كم عددهم؟ كيف يعيشون؟ هناك اختلاف، سنلاحظ بأننا أمام اختلاف كبير جدا، أن الحركة الناطقين بالأمازيغية، وإحنا خرجنا من الفخ نتاع القراءة العرقية للمسألة الأمازيغية. قلنا بأن سكان شمال أفريقيا هم أمازيغ في أغلبيتهم الساحقة، جزء منهم لا زال يتكلم الأمازيغية، لكن الجزء الآخر يتكلم العربية. وقلنا بأن هذه الأمازيغية متواجدة الآن في مناطق مختلفة، في الغالب نجدها في أماكن نقدر نقول معزولة،
موجودة في المناطق الشمالية في المناطق الجبلية كما هو الحال في الريف، كما هو في منطقة قبائل في بلاد شاوية، موجودة في الصحراء كما هو حال الهوغار، كما هو موجودة في الجزيرة، معزولة في جزيرة جربة في تونس، موجودة في الجبل نفوسة في ليبيا، في مناطق الحدود التونسية الليبية. وقلنا بأن هذا الحضور الجغرافي عنده دلالات وعنده ممكن أن نناقش فيما بعد لماذا بقى نوع من كيف نسمي أن المسألة الأمازيغية أصبحت كأنها معزولة في مناطق جغرافية صعبة. ما هي دلالة هذا؟ ديموغرافيا مختلفة، العلاقة مع الدولة الوطنية مختلفة، والطرح تاع المسألة الأمازيغية مختلف من دولة إلى أخرى. هناك الكثير من التفاصيل والفروق بين ما هو موجود في ليبيا وما هو موجود في مصر نظرا لخصوصيات الوضع في مصر. في مصر نحن أمام منطقة أمازيغية قليلة العدد في سيوة، ليبيا نفس الشيء، ليبيا موجودين منطقتين كبيرتين نتكلم بالأمازيغية، ناطق بالأمازيغية، جبل نفوسة في الغرب والتوارق. في تونس كذلك مازال محمد كرم بعد راح يتكلم ربما بالتفصيل على الوضع في تونس، وخالد راح يتكلم على الوضع في المغرب، وسمير راح يتكلم على الوضع في الجزائر. ولهذا سأركز على ليبيا وتونس، انا ليبيا ومصر لما في ما عندناش ممثلين عندهم الان. إذن في مصر نحن امام دولة وطنية مركزية اللي هي مصر، أمام حضور ديموغرافي ضعيف للأمازيغ، يعيشون في عزلة في السيوة. لكن السؤال اللي مهم واللي ممكن تناقشوا فيه، كيف حافظت هذه المجموعات القليلة العددية في هذا المحيط الجغرافي المعزول على لغتها الأمازيغية لقرون؟ من أين تأتي هذه المقاومة للأمازيغية في دولة وطنية مركزية كما هو حال مصر؟ في ليبيا كذلك الوضع متميز بخصوصياته. هناك أول ملاحظة ممكن نلاحظها هو الربط، وهذا موجود كذلك في تونس وفي الجزائر، الربط بين بعض المذاهب الدينية كما الأباضية والمسألة الأمازيغية. نحن أمام في ليبيا الأمازيغ إباضيين في الشمال وتوارك في الجنوب، ووضعيتهم الاقتصادية الاجتماعية مختلفة كثير. نحن أمام بدو رحال صحراويين في الحال التوارك، يتشابهون أكثر مع الجزائريين توارك الجزائريين من الليبيين في شمال ليبيا. إذن نحن أمام حالات وطنية مختلفة وأمام حالات مناطقية أو جهوية مختلفة في كل داخل كل دولة. حاولنا نركز كذلك على مسألة النخب، ما هي نوعية النخب التي تدافع المسألة الأمازيغية في الحالات هذه الوطنية؟ وسنلاحظ من يطلع على الكتاب سيكتشف بأننا كذلك أمام تنوع كبير جدا. نحن أمام نخب بكثافة بسمك من دونسيتي مختلفة من جهة إلى أخرى، ومن حضور سياسي وإعلامي وحزبي مختلفة في الجزائر وفي الجزائر هناك كلام على أحزاب سياسية تتبنى المسألة الأمازيغية. في المغرب نفس الشيء، في تونس لا، في تونس هناك الجمعيات هي التي تتحدث. في ليبيا الوضع مازال غير مستقر، في مصر كذلك هناك جمعيات كذلك ضعيفة هي التي تتبنى المسألة الأمازيغية. إذن نحن أمام نخب وأشكال تعبير مختلفة سنناقشها عندما ندخل التفاصيل من بعد إذا كانت هناك أسئلة حول هذه النقاط. تناقشنا كذلك، درسنا مسألة الأسرة، الزواج، الديموغرافيا، الهجرة، لأننا أمام الأمازيغي ممكن يكون بدوي صحراوي كما هو حال الترقي، لكن ممكن يكون باريزي باريزيا في فرنسا. المسألة الأمازيغية انتشرت في خارج المنطقة المغاربية، والآن فيه مدن كبيرة كما كيبك، جزء حضور كبير للأمازيغ في كيبك، حضور ربما أكبر من للأمازيغ في باريس. العاصمة الجزائرية أو مراكش أو طنجة أو المدن الكبيرة في المغرب الأمازيغية كذلك حضور في المدينة. يعني نحن أمام حالات سوسيولوجية وديموغرافية مختلفة، وبالتالي نوعية نخب مختلفة، وعلاقات مع الدولة الوطنية مختلفة، وتبني للدولة الوطنية مختلف.
الفكرة الأساسية التي اكتشفتها في البحث هو أن الدولة المغاربية، الدولة في شمال أفريقيا، قللت من رفضها ومن عداوتها المسألة الأمازيغية. هناك قبول أكثر فأكثر للمسألة الأمازيغية في المغرب، في الجزائر، حتى في تونس فيه نقاش في السنوات الأخيرة. ربما قبل ما أختم، أن سنتناقش اليوم حول البحث، لكن يمكن أن نتناقش كذلك حول المسار تاع المسألة الأمازيغية منذ نهاية البحث اللي هو في 2019-2018، منذ 3 سنوات، مع التحولات التي تعيشها المنطقة المغاربية وشمال أفريقيا، ما هو موجود في المغرب، ما هو حاصل في المغرب وتونس والجزائر وليبيا، خاصة ليبيا المسألة ما زالت مطروحة فيها بحدة، لأنها مرتبطة بمسألة مدى مركزية الدولة الوطنية في ليبيا وقضية الأمازيغ. أنا أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل، وممكن عندما نبدأ في النقاش ممكن ندخل في التفاصيل إذا كانت فيه أسئلة، وشكرا. شكرا أستاذ جابي على هذه cette petite introduction. On va passer peut-être à Kerrous, il est prêt pour notre introduction. Je rappelle que sur Alterna TV, on peut s'exprimer aussi bien en arabe, en français qu'en berbère. Tout le monde comprend en général les 3 langues ici. Allez-y, monsieur. Le micro, Kerou, activez le micro. Ouais. Ouais, c'est fait. Ouais. Je voudrais remercier les organisateurs et je suis vraiment content de retrouver les amis pour dialoguer d'une question importante, même si actuellement en Tunisie, pratiquement, on ne parle plus de cette question. Et je reviendrai vers la fin, pourquoi il y a ce silence, il y a ce tarissement de la question. D'abord, la situation de l'amazighité en Tunisie est spécifique. Elle est différente de ce qui prévaut aussi bien au Maroc qu'en Algérie. C'est-à-dire que les Amazighs ici n'ont pas le même poids démographique, le même poids linguistique et culturel et politique, bien entendu, qu'en Algérie et au Maroc. C'est une question qui est posée ici en tant que question minoritaire. C'est une minorité linguistique et culturelle. D'ailleurs, l'un des combats des associations et des militants amazighs, c'est de dire que nous ne sommes pas une minorité, mais au contraire, nous sommes une majorité, et que c'est les autres qui sont une minorité. Donc, c'est très important que la question amazigh se pose en termes de minorité versus majorité. Deuxième élément, c'est que pendant un demi-siècle, personne n'osait parler de la question amazigh en Tunisie. Il a fallu attendre 2011, la révolution de la dignité, ce qu'on appelle la révolution de la dignité, le 14 janvier 2011, pour qu'émergent des voix qui parlent de l'amazighité. Avant, personne n'en parlait. En termes politiques, je parle. Bien entendu, il y avait des études culturelles, linguistiques, anthropologiques, très nombreuses sur le passé berbère de la Tunisie, etc. Mais c'est toujours en termes de passé, pas de présent. Et les seuls qui s'activaient avant 2011, c'était les associations de défense du patrimoine. Que ce soit le patrimoine urbain ou bien le patrimoine, disons, culturel et anthropologique. Pourquoi ? Parce que l'État-nation ici est conçu sur un mode jacobin, très centralisé. Et l'idéologie nationale est une idéologie qui combat ce qu'elle considère comme étant le démon numide. C'est les termes utilisés par la littérature coloniale et repris par Bourguiba lui-même dans ses discours. Construire une nation, c'est prévenir du danger de l'apparition du démon numide. C'est-à-dire, c'est quoi le démon numide ? C'est-à-dire le passé tribal qui pourrait émerger et remettre en cause l'unité nationale. Donc Bourguiba luttait contre le passé historique de la Tunisie
comme étant un passé qui menaçait l'identité nationale et l'unité nationale. Bien entendu, on ne trouve aucun discours où Bourguiba s'attaquait à l'identité amazigh. Aucun. Pour lui, ce n'était pas une question. Le problème, c'est les tribus et le tribalisme qui se présente ici, comme je pense que c'est la même chose en Algérie et au Maroc, sous forme de lignage, Arouche, l'Arouchéa. Il a beaucoup combattu ce qu'il appelait et ce qu'on appelait l'Arouchéa, c'est-à-dire l'appartenance linéagère. Et dans cette conception-là, la mazirité était combattue, mais indirectement, jamais frontalement, jamais directement. Ça, c'est très important. À partir de 2011, émergent des voix nouvelles, d'abord des voix d'individus qui disent « la mazirité, c'est le passé de la Tunisie comme c'est le passé de l'Afrique du Nord. » N'est-ce pas ? Des îles Canaries jusqu'à l'oasis de Siwa, toute cette zone-là est une zone amazigh par le parler, par les vêtements, le vestimentaire, par les traditions, par les chansons, par la condition féminine, etc. Et après, émergent des associations, en tout à peu près une dizaine d'associations qui obtiennent des visas, puisqu'il y a une libéralisation de l'espace public, qui obtiennent des visas et qui organisent des réunions, y compris le congrès mondial de la mazirité qui a eu lieu ici en Tunisie, à Djerba, où il y a eu beaucoup donc, d'activités, notamment en 2011, 2012, 2013. Maintenant, il reste à peu près deux associations qui sont actives et il y a, comme j'ai dit, tarissement. Pourquoi il y a tarissement? Et ça, c'est pour le débat. Alors, premier élément qui explique le tarissement, c'est qu'il y a une pression très forte en Tunisie au niveau de la vie politique de ce qu'on appelle le courant nationaliste arabe et islamiste. L'Urouba ou l'Islam, c'est une idéologie diffuse dans le corps social et politique. En fait, ils sont eux-mêmes une minorité, mais ils sont très actifs et empêchent toute autre expression. Toute expression qui se fait en dehors du Coran arabe et islamiste est une expression qui est attaquée dans les médias. Et d'ailleurs, ils ont tout fait pour que dans la constitution tunisienne, la nouvelle constitution de 2014, il n'y a que l'identité arabe et islamique qui a été retenue. On a écarté aussi bien l'identité amazigh que l'identité méditerranéenne et que l'identité africaine de la Tunisie. Alors qu'on le sait historiquement, c'est l'Afrique, le nom de l'Afrique vient de Africa, qui était le nom de l'ancienne Tunisie. Mais ils ont fait un déni de cette histoire-là. Donc, il y a un combat très très fort, une idéologie anti-amazigh, mais aussi anti-méditerranéenne et anti-africaine. C'est un peu le déplacement de l'idéologie de l'unité nationale vers les élites. Les élites sont presque unanimes qu'il faut combattre cela. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que ça fait éclater l'unité nationale, qui est déjà éclatée depuis 2011. Elle est déjà éclatée, l'unité nationale, puisqu'il y a bipolarisation très forte entre les islamistes et les sécularistes. Et elle est attaquée, l'idéologie amazigh, ou bien disons l'histoire et la culture amazigh sont attaquées, de même que, d'ailleurs ça émerge en même temps, la défense des minorités noires, par exemple. Il y a eu des associations qui existent encore, qui sont très actives de défense des minorités noires, mais aussi des associations d'autres minorités, que ce soit sexuelles, comme le mouvement de Shams pour la défense de l'homosexualité, LGBT, tout cela. Tous ces mouvements-là sont combattus, mais ils existent sur la scène politique. Et on ne les voit pas, ils sont entre la visibilité et l'invisibilité en raison de, comme je l'ai dit, de la polarisation islamiste-séculariste. Et bien entendu, les associations et les militants amazigh sont des militants sécularistes, bien entendu. Même si, c'est un paradoxe, le parti qui s'est le plus ouvert sur la question amazigh, pour la récupérer, bien entendu, c'est le parti de Nahda. C'est le parti qui a été plus intelligent sur le plan du dialogue avec les amazigh.
Un seul parti séculariste s'est ouvert sur eux, c'est le parti Afek, Afek Tunis. Mais sinon, les autres partis, il n'y a pas eu d'ouverture, y compris de l'ancien parti communiste ou de ce qui reste de ce parti et du Front populaire, etc. Ils sont imprégnés et imbibés de l'idéologie arabe, arabiste, plus qu'arabe, arabiste et islamiste. Donc, il y a un mouvement très conservateur au sein du Parlement et des associations culturelles. Alors, ça, c'est aussi une autre chose. Autre chose, c'est attaquer au nom de l'unité nationale, mais c'est attaquer aussi les Amazighs et tout ce qui est, disons, altérité, pour ne pas utiliser le terme minorité, sont attaqués, soi-disant, ce sont des alliés du sionisme, d'Israël. Et tous ceux qui menacent l'identité nationale sont mis. Et il y a tout un débat en Tunisie sur la criminalisation de la normalisation avec Israël. Tatbia. Si c'est quoi, mais il s'appelle Tatbia ma Israël. Aujourd'hui même, trois chanteurs tunisiens qui avaient participé en 2010 à un gala en Israël ont été attaqués. En fait, c'était un fake news. On les a attaqués, on a changé les dates pour les attaquer comme s'ils ont voyagé aujourd'hui, le 4 ou 5 février, en Israël, alors qu'eux, ils ont voyagé le 4 février 2010. Mais en fait, c'est quoi cette histoire rocambolesque? C'est que les Juifs tunisiens en Israël, comme il y a le confinement, ils ont fait, comme nous ici maintenant, ils ont fait un gala virtuels, ils ont mis leur voix. Et du coup, ils sont attaqués ici. Alors qu'on les a invités à la radio, ils ont dit, ça fait 10 ans qu'on est partis. Et on leur a dit, pourquoi vous étiez partis il y a 10 ans? Ils ont dit, c'était un ordre de Ben Ali. Et à l'époque, personne ne pouvait désobéir à Ben Ali parce qu'il disparaîtrait de la scène. Y compris les islamistes, personne ne pouvait élever la voix contre Ben Ali en 2010. Maintenant, parce que maintenant les gens ont oublié l'histoire courte, hein, l'histoire d'il y a 10 ans. Et donc, pour revenir à la question Amazigh, je pense que le grand acquis depuis 10 ans, c'est qu'on en parle. Ce n'est plus une question taboue. C'était une question taboue avant 2010. Le grand acquis, c'est qu'on en parle. Deuxième chose très importante, c'est que les militants Amazigh ont compris qu'on ne peut pas fonder un parti Amazigh en Tunisie, ni une association qui soit centrale dans la vie société civile. Et donc, et je pense que c'est aussi un acquis, ils sont dans d'autres associations et ils militent pour la démocratie, les droits de l'homme, tout en militant pour la cause Amazigh. C'est-à-dire que maintenant, il y a une tendance à associer la cause Amazigh à la cause de la défense des droits de l'homme, à la cause de la défense des droits des femmes, beaucoup, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup d'associations de la société civile qui appuient la cause Amazigh. Donc, en 10 ans, ce qui est très peu au niveau de l'histoire, je vais terminer par cela, en 10 ans, l'acquis, c'est qu'on a naturalisé, entre guillemets, la question Amazigh, elle est devenue acceptable, on peut en parler. Ça, du point de vue de l'Algérie ou bien du point de vue du Maroc, la question semble un peu bizarre parce que la question Amazigh, elle est dans la constitution, c'est une question fondamentale au niveau de la vie culturelle et politique dans les deux autres pays du Maghreb. En Tunisie, non, elle était taboue et donc là, elle n'est plus taboue, mais elle n'est pas centrale. Et alors, un dernier point peut-être. Une précision, parce que même les Tunisiens croient que les Amazighs, ou ce qu'on appelle les Berbères, se trouvent uniquement dans le sud tunisien, ce qui n'est pas vrai, n'est-ce pas? Bien entendu, on les assimile géographiquement au sud tunisien parce que c'est là où on parle le plus la Chelha, le parler Amazigh. Mais en fait, les Amazighs en Tunisie sont partout, que ce soit au nord, que ce soit au centre, à l'est et à l'ouest, il y a des Amazighs partout. Et pratiquement, et c'est ce que nous disent les archéologues, c'est ce que nous disent les préhistoriens, tous les villages et toutes les villes sont d'origine punique et avant d'être puniques, sont d'origine Amazigh berbère.
Donc, toute l'histoire de la Tunisie, et là, il faut beaucoup de temps, beaucoup de recherche et du militantisme également pour que les gens reconnaissent leur passé amazigh. Voilà. Parole aussi à Mouna. Allez-y. Alors, bonsoir. Merci d'abord pour cette invitation, pour présenter ce beau travail qui a réuni aussi un réseau maghrébin, qui était aussi l'occasion de travailler un travail intra-maghrébin. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on fait très peu et qui portait sur une question qui est primordiale. La situation, comme vous le savez, la situation du Maroc se rapproche beaucoup plus de la situation algérienne pour plein de raisons. Alors, moi, je vais expliquer plutôt notre entrée sur le terrain et comment on a traité la question amazigh avant de voilà d'ouvrir un peu le débat sur son importance aujourd'hui. Nous, on a essayé de centrer sur la deux régions. Principal. Bon, comme vous le savez, le Maroc, la question où la population amazigh est extrêmement répartie sur le territoire national, c'est-à-dire en fait, il n'y a pas une seule région au Maroc où il n'y a pas l'amazighité qui est très présente au niveau de parler, au niveau des traditions, et que ce soit en termes de temps ou que ce soit en termes de territoire, on n'aurait pas pu en fait couvrir tout le territoire, et du coup, il fallait faire un choix. Un choix qui était fondé d'une part sur la proximité, c'est des terrains où on pouvait faire des allers-retours, c'était le Rif et le Moyen Atlas. Et pour nous, ces deux terrains ils sont extrêmement importants parce que ils représentent à la fois une variabilité linguistique qui est très peu parlée par rapport à la région Sousse. Où là, on voit réellement en fait une véritable présence de dialectes amazigh au Maroc, parce que les soucis, contrairement aux rifains, les rifains dans le dos plutôt au Maroc, qui sont plutôt portés vers l'autre côté de la Méditerranée par des voies migratoires et tout. Les gens de Moyen Atlas, ils sont restés un peu confinés dans un territoire fermé avec des mobilités en interne et avec une présence aussi des villes comme la ville de Khnefra, la ville essentiellement la ville de Khnefra où a vécu le chanteur célèbre Rouicha avec ses chansons et tout. Et Mrirt et tout, ce sont des centres qui sont devenus par la suite des centres urbains où l'amazighité a disparu. C'est-à-dire, en fait, les jeunes ne parlaient pas beaucoup la langue amazigh, en fait. Ça se parle au sein de la famille, mais ça se parle très peu dans l'espace public. Et nous avons une autre région, comme j'ai dit tout à l'heure, on a plusieurs régions, hein, c'est la plus grande région, c'est la région de Sud, en fait, de Sousse, où la migration de Sousse, parce qu'on est revenu sur les statistiques, la migration du Sousse, que ce soit à l'international ou en interne, a montré en fait que le dialecte Soussi, c'était le dialecte le plus parlé au Maroc, en fait, qui était essentiellement lié à une grande mobilité des Soussis au niveau national, mais aussi par des voies migratoires transnationaux de commerce, qui a fait en fait que c'est une langue qui s'est retrouvée en fait tenir à la fois un pouvoir politique et un pouvoir économique. Il ne faut pas oublier que le Premier ministre aujourd'hui, les soucis, est le patron de le plus gros parti rival des islamistes aujourd'hui, c'est aussi un souci. En fait, les soucis tient aujourd'hui les rênes du pouvoir politique, ils sont à la tête. Ils se gênent pas à faire des conférences avec la langue amazigh, etc. Ce qui fait qu'on voulait travailler sur deux régions où l'amazighité est extrêmement présente comme action politique, mais qui minorisée, pour ne pas parler de la minorité. C'est une population minorisée, réduite à l'invisibilité. Le but, c'était de voir un peu comment l'action politique se concrétise un peu dans cette région. Il se trouvait que dans le Rif, à ce moment-là, on était au plein Hirak du Rif.
Et on voulait savoir un petit peu comment ça se passait au Moyen-Atlas et comparer deux régions qui ont une grande histoire de lutte contre le colonialisme, sauf qu'il y a une où la masérité est très présente en fait dans l'espace public, comme c'est le cas du Rifin, très parlé, revendiqué dans l'espace public. Il est même devenu un petit peu une idéologie politique pour les jeunes et tout. Contrairement au Moyen-Atlas, où la masérité n'apparaît comme forme identitaire politique que vers la fin des années 80. C'est-à-dire, en fait, on avait réellement deux pôles complètement différents. On voulait savoir en quoi, comment en fait se structure la question amazigh sur le plan culturel, sur le plan, je dirais, social et sur le plan surtout de militantisme hein, aussi. Alors, c'est là où ça va nous a ramené beaucoup à des entretiens pour montrer la question amazigh, pour essayer de montrer, c'est là où la question des nouveaux acteurs est intéressante. Ce qu'on nous avons montré dans le cas marocain, qui s'approche beaucoup en fait de cas algérien, mais c'est beaucoup plus accentué, voire grave dans le cas algérien, parce que souvent, par exemple, les militants amazighs ont été taxés de séparatisme, comme c'est le cas de la Kabylie, etc. C'est quelque chose qui n'a pas beaucoup marché au Maroc, sauf avec quelques militants dans le Rif du Maroc. Mais en général, en fait, la question de séparatisme n'a pas été très présente ni consommée au Maroc, à part, bien évidemment, quand on a voulu juger les acteurs de Hirak du Rif, la plupart d'entre eux ont été jugés pour des actions séparatistes, en fait, où ils ont pris 20 ans. Le but, c'était de montrer que, il y avait plusieurs étapes de la question amazigh. Il y avait une étape d'abord identitaire qui a démarré dans les années 60, culturelle qui démarre par la suite dans les années 70 et 80, et qui continue aussi dans les années 90. Et à partir des années 2000, on va avoir une dimension complètement différente, c'est-à-dire en fait tout en ayant une démarche, ou plutôt une démarche culturelle reliée ou associée à une action politique, les années 90, ils vont laisser apparaître un mouvement purement politique en fait amazigh, qui ne s'inscrit pas forcément dans une revendication culturelle, mais qui s'inscrit d'abord dans une action politique globale. C'est-à-dire, en fait, on va avoir en fait des mouvements amazigh, des associations amazigh qui militent pas pour la reconnaissance de la langue, mais qui vont militer pour la distribution égalitaire des richesses, qui vont militer pour la démocratisation, qui vont militer en fait pour la lutte contre l'enclavement des territoires. Et du coup, la question amazigh s'est retrouvé dans le contexte marocain, sortir petit à petit en fait d'un enclave identitaire pour s'inscrire dans une dimension politique de revendication, de démocratisation beaucoup plus globale. Et justement ça qui va à un moment donné pousser vers une certaine non-maîtrise en fait, que la question, le mouvement amazigh commence à échapper un pouvoir qui essaie de le contrôler, de le maîtriser et de négocier avec lui un cadre culturel. On se retrouve avec un mouvement amazigh qui s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus globale. C'était le cas de plusieurs Hirak en fait dans le Maroc, mais qui va s'institutionnaliser ou va socialiser à partir de ce qu'on appelle entre guillemets le printemps arabe, où les mouvements amazigh vont s'inscrire parfaitement dans le processus de revendication démocratique à partir de 2010-2011. Et on a vu apparaître beaucoup de mouvements dans le sud du Maroc, dans le Maroc oriental, dans le Rif du Maroc, des mouvements où l'amazighité, où le drapeau amazigh, c'est un symbole culturel, c'est un symbole politique, mais les revendications ne sont pas liés en fait à la reconnaissance de la langue. C'est-à-dire en fait, on va avoir au Maroc apparaître deux mouvements qui se séparent complètement. On a un mouvement en fait très culturaliste qui s'installe à Rabat, à Casa, etc. Bon, très branché télévision, médias et tout pour parler de la reconnaissance. Ils sont plutôt dans un enjeu aussi
politique étatique à travers la création de l'Institut Amazir à Rabat, etc. Avec des productions, ils ont fait, hein, ils ont fait beaucoup de choses sur la question tifinagh, la production scientifique et tout. Et en parallèle, on avait tout un mouvement en fait qui démarrait des marges de la société, des mouvements extrêmement importants. Ou la question amazir, j'ai pas besoin de reconnaître que vous reconnaissez ma langue parce que c'est une langue que je parle, c'est une langue qui fait partie de ma vie, mais je vais utiliser cette langue pour aller revendiquer et contester contre des formes des inégalités socio-économiques, des inégalités spatiales qui existent. Et c'est là en fait la transformation complète du mouvement amazir au Maroc qui s'approche, et on l'a vu d'ailleurs dans le Hirak algérien, comment le mouvement amazir vient intégrer en fait une revendication nationale et remettre en cause un peu tout un discours autour de séparatisme en fait de ce mouvement-là. C'est quelque chose qui a démarré au Maroc, mais qui a, dans le contexte algérien, ça a été rendu visible à travers le Hirak algérien. Et c'est là où la question, c'est là où tout l'intérêt en fait de la question amazir au Maghreb qui devient une question transversale en fait, où les militants amazirs ils sont beaucoup plus proches, c'est-à-dire je me rappelle en fait les premières formes de soutien de Hirak du Rif apparaît en fait dans les régions algériennes, apparaît à Chaouia, apparaît en Kabylie, avant même d'apparaître en fait dans le sud du Maroc, en fait dans d'autres régions amazir. C'est en fait la question amazir devient fédératrice en fait, fédératrice pas pour des raisons culturelles, fédératrice par rapport à ces pour marquer que ces régions là n'ont pas eu leur part en termes de répartition des richesses. Et quand je dis richesse, c'est à la fois une richesse matérielle et immatérielle, y compris l'apport linguistique en fait de cette région-là qui a été occulté, repoussé pour instaurer en fait une idéologie plutôt monotone qui va vers l'arabisme, l'islamisme, etc. Et des sociétés un peu, on a mis à l'écart un certain groupe social minorisé, c'est pour ça que je n'utilise pas le terme de minorité, mais minorisé, qui était censé en fait de construire en fait la diversité du Maghreb. On les a massacrés, massacrés culturellement bien évidemment, mis à l'écart juste pour revendiquer en fait une identité unique et simple. Et c'est là où le mouvement amazir aujourd'hui apparaît comme une nouvelle ouverture dans l'ère de contestation de la revendication démocratique. Très bien, Mounam, merci beaucoup pour cet aperçu sur les mouvements amazir au Maroc. On y reviendra certainement à travers des questions, des commentaires. Samir, pour finir, en 10 minutes, sur... Bien sûr, je pense que Mouna a brassé un peu, parce qu'il y a de grandes similitudes entre c'est-à-dire l'expérience marocaine et de grandes similitudes, à vrai dire, entre l'expérience marocaine et l'expérience algérienne, dans sa portée en tant que mouvement populaire, qui s'est transformé, à vrai dire, en tant que mouvement populaire, les formes des élites qui l'ont porté, ses ramifications, et sa portée au niveau régional. Alors, sur la question de l'Algérie, en Algérie, on a travaillé, à vrai dire, sur trois régions, c'était la Kabylie, les Mozabites et les Touaregs. Et on n'a pas pu faire les Chaouis pour des raisons de moyens financiers, à vrai dire. C'est-à-dire, on aimerait d'ailleurs, c'est-à-dire à l'avenir qu'on va essayer de toucher à cette question, malheureusement. Et bien sûr, ça a été une bonne expérience en termes d'échanges scientifiques. C'était aussi une expérience humaine, parce que ça a permis de réunir quand même des chercheurs de différentes nationalités, horizons, et qui ont travaillé dans une grande, symbiose. Alors, concernant l'Algérie, alors bien sûr, on est revenu sur l'évolution de la question amazigh, comment elle a été posée, où elle a été posée, et et aussi dans quel contexte elle a été posée. En Algérie, bien sûr, elle a été posée
la question de Tamazight a été posée dans le mouvement national au sein du PPA-MTLD, le parti le plus radical, nationaliste radical, dans un contexte de colonialisme. Mais on a démontré aussi que c'est-à-dire la question de Tamazight était un point parmi d'autres. On a dit, Belik, par exemple, c'est-à-dire l'Algérie, on a déconstruit la thèse de la crise berbériste. Au contraire, c'était, c'est-à-dire les éléments ou les militants nationalistes de l'époque qui ont posé cette question, ils n'ont pas posé en termes, ils l'ont posé en tant que revendication démocratique d'appartenance à une civilisation qu'il faut promouvoir cette culture, cette langue, bien sûr, par rapport, par opposition à la tendance à uniciste, à vrai dire, mais posée aussi, elle est intégrée dans une démarche plus globale sur la question de la nation, de l'identité, mais aussi de la question de l'indépendance. C'est-à-dire qu'il faut souligner d'abord, mais c'était un débat c'est-à-dire porté par des élites qui sont minoritaires. Ce n'était pas au niveau d'une organisation, ce n'était pas un mouvement populaire comme l'insinuent certains, bien sûr, certains ch chercheurs. Et on est revenu, bien sûr, je vais passer. C'est-à-dire le plus important, on est revenu sur les différentes étapes pendant la Révolution, après l'indépendance, le rôle de l'université, quelles sont les élites, la nature des élites qui ont porté cette revendication, quel est son rapport à l'État national, qui n'était pas forcément, c'est-à-dire conflictuel, c'est-à-dire tout le temps, bien sûr, et ça dépend des étapes. On n'est plus dans les années 60 de dictature, par exemple, on ne peut pas le comparer aux années 90 ou là, des années 2000. Bien sûr, on est revenu comment la Kabylie, on ne peut pas dire qu'elle était l'avant-garde parce que le concept est assez lourd, mais elle a été au devant, elle a porté, c'est la région qui a porté essentiellement cette revendication. Et qui a joué un rôle important, un rôle important dans c'est-à-dire qui a rendu la question amazigh plus visible et bien sûr qui a attiré des élites ou là, des mouvements, des associations de différentes régions, notamment dans la région Chewi, et aussi chez les Mozabites. Et chez les Touaregs, mais la question, c'est-à-dire avec des petites nuances. Ces nuances-là sont liées, c'est-à-dire à la nature, bien sûr, comme je dis à chaque fois, des élites qui l'ont portée. Quand on voit en Kabylie, généralement, c'est des élites modernes, laïcisantes, qui ont un capital d'expérience organisé dans des partis politiques, dans des organisations politiques, dans des organisations syndicales, qui avaient des ramifications dans le mouvement étudiant, dans le mouvement syndical, dans tous les mouvements qu'a vécu l'Algérie à partir des années 60, 70, 80, aux années 90, et qui s'est construite, bien sûr, en dehors des structures traditionnelles. D'ailleurs, on l'a souligné, par exemple, parmi les paramètres qui ont fait la spécificité de la Kabylie par rapport aux Touaregs et aux Mozabites, c'était le poids des structures traditionnelles. Les structures traditionnelles, c'est-à-dire contrairement à ce que racontent certains, enfin les anthropologues, notamment français ou l'Afar, qui disaient qu'ils ont un poids central dans la configuration politique locale. Or, c'était le contraire, à vrai dire, parce que le poids des structures traditionnelles n'était pas vraiment lourde sur la socialisation, la formation de cette militance politique. Au contraire, elle a été transformée ou l'a utilisée après
justement pour porter cette revendication. C'est la même chose qu'on verra après, d'ailleurs, chez les Mozabites et chez les Touaregs aussi. Et bien sûr, quand on parle de revendications amazigh, ou l'aide de région, de tout ça, c'est sans rapport à l'État. C'est-à-dire, on a touché même, c'est-à-dire sur la question de la démographie, sur la question de l'économie. Est-ce que réellement il y a un problème d'intégration économique? Est-ce que ces régions-là sont vraiment lésées par rapport à la norme nationale? C'est-à-dire, on a démontré, chiffres bien sûr à l'appui, qu'au contraire, c'est-à-dire, c'est des régions comme la Kabylie, c'est la région la plus ou moins, enfin, la plus intégrée à l'État national en termes de développement économique, d'infrastructures de base, et l'intégration de ces élites dans la sphère économique, sociale, culturelle, voire même politico-militaire. Parce que c'est la région qui a produit plus d'élites économiques. Quand on parle d'élite économique, soit dans la bureaucratie ou là dans le public, elle est très présente, y compris aussi dans d'acteurs ou là d'opérateurs économiques. Et bien sûr, je vais pas tarder, c'est-à-dire dans le débat, on va s'est développé d'une manière plus importante. On ne peut pas parler aussi de revendication amazigh, de son évolution, en occultant la question, c'est-à-dire sur la question de l'autonomie ou de l'indépendance, où on a aussi expliqué quels sont, comment ça se fait que des militants qui ont porté cette revendication, qui la considéraient comme revendication démocratique, une demande d'intégration nationale, de revoir l'architecture de l'État, de revoir une forme de contestation du système. La revendication amazigh était enfin, en dernière instance, un étendard pour la remise en cause du pouvoir central, du pouvoir politique, du pouvoir économique, pour plus, c'est comme au Maroc aussi, de redistribution des richesses nationales, d'édification d'un État démocratique et social, comme on l'a vu, tel qu'il est exprimé dans les différentes chartes, déclarations ou rapports de synthèse des différents séminaires ou de la littérature produite par le mouvement amazigh dans ses différentes variables, dans ses différentes aussi expressions, qu'elles soient associatives, partisanes, syndicales, dans le mouvement femmes, dans le mouvement étudiant. Et comment, c'est-à-dire à travers le temps aussi, on a trouvé, c'est-à-dire comment, d'ailleurs, M. Djebi m'a précédé sur cette question, qui s'est imposée, c'est-à-dire dans le débat politique, et s'est imposée face à l'État. D'ailleurs, de plus en plus, il y a eu d'acceptation, et on l'a vu d'ailleurs, comment il s'est exprimé d'une manière extraordinaire, qui s'est, c'est-à-dire en fin de compte, les Algériens n'avaient pas de problème avec la question amazigh. Au contraire, elle a été adoptée par l'écrasante majorité du peuple algérien. Il y avait une grande symbiose quand on voit les images, enfin, on l'a vécu quand même, c'est-à-dire pour les gens de l'extérieur, quand on voit les images, la symbiose, c'est-à-dire devant le drapeau national, le drapeau amazigh, c'est-à-dire y compris les islamistes les plus radicaux se revendiquaient de la question de se revendiquer de ces mazirs qui ont porté aussi ça, c'est-à-dire l'étendard mazir. C'est-à-dire il y a une grande évolution, une évolution importante sur cette question. Voilà, je pense qu'on est dans les 10 minutes. Très bien, merci beaucoup Samir, mais certainement vous allez revenir parce que ce qui a été dit jusque-là, depuis Djabi jusqu'à toi, en passant par Mouna et Kérou, et il y a matière à réflexion, certainement ça va susciter des réactions. Sans trop tarder, je laisserai la parole à mon ami Jamila Dar. Je vous ai présenté tout à l'heure Jamila, elle était dans les mouvements revendicatifs en Algérie, particulièrement dans la région de Kabylie. Elle est journaliste, mais elle est aussi militante de la cause, elle a suivi tous ces mouvements-là, j'imagine aussi des mouvements qui revendiquent l'autonomie en Kabylie, voire même
souverainiste. Elle connaît la spécificité des revendications, du moins sur le plan politique, mais certainement sur les questions culturelles, linguistiques, identitaires. Donc, sans trop tarder, Jamila, c'est à toi pour ton commentaire et tes questions pour nos amis. Merci beaucoup pour vos présentations respectives. Et personnellement, je tiens à vous remercier par rapport à ce travail. Effectivement, on n'a pas eu l'occasion de lire pour nous exprimer davantage ou faire une lecture ou une analyse là-dessus. Mais c'est toujours un bon départ quand les académiciens, les chercheurs s'intéressent à toutes les questions qui concernent la société, mais personnellement, toutes les recherches, tous les chercheurs qui se penchent sur Femezir, sur la mazérité, sur l'identité de l'Afrique du Nord, ça me touche directement et ça m'émeut parfois, mais c'est un bon signe aussi qu'on avance, qu'on évolue dans la bonne direction, parce que l'un des grands problèmes de notre Afrique du Nord, de notre amazérité, de notre peuple depuis des millénaires, c'est qu'il n'y avait pas de traces écrites. Pourquoi ? On dit qu'à Fifinaire, il y a ceci, il y a cela, mais quand on a envie de lire sur notre passé lointain ou moyennement lointain, on ne trouve pas de traces. Il n'y a que les autres, on trouve quelques extraits, c'est les autres qui les ont écrits sur nous. Alors que maintenant, nous-mêmes, les enfants d'Afrique du Nord, de Femezra, se penchent sur eux-mêmes, écrivent sur eux-mêmes, pour eux-mêmes d'abord. Moi, je trouve que c'est excellent. Donc, moi, là, c'est... Mohamed, tout à l'heure, il parlait de... J'ai pas vécu seulement en Kabylie, à Alger aussi. Donc, j'ai suivi le mouvement. J'étais très jeune en 80, le mouvement berbère de 80. Mais je voulais juste dire à un autre frère du Maroc que si on prenait juste le printemps berbère de 80, Tefsuthi Maziran, si je parlais juste de cet événement, pour commencer, c'était le premier événement démocratique en Algérie qui a brisé le mur de la peur, de la censure, etc. Mais en même temps, le mouvement culturel berbère, le MCB, y compris le printemps berbère, l'événement lui-même, c'est que les revendications étaient vraiment aussi d'ordre social, démocratique, etc. Il y a Femezir, c'est sûr. Il y a l'identité, c'est sûr, mais il y a aussi d'autres questions qui préoccupent la société algérienne dans sa globalité. Et à l'époque, il n'y avait pas cette idée de séparatisme ou d'autonomie, mais ceux qui luttaient pour Femezir, luttaient pour l'Algérie dans sa globalité et pour une démocratie, pour beaucoup de choses. Et on connaît un peu le processus et ce qui a été suivi. Donc, j'ai vécu un peu ça. J'ai été dans les Aurès aussi, notamment en Boulbouaké et Aris. J'ai été au sud algérien, le sud-ouest, notamment à Ouergla. J'ai trouvé des gens, c'est Ouergla, les gens parlaient de Ouergla. Moi-même, j'ai découvert ça. J'ai découvert moi-même, là, il y a des gens, ils circulaient dans la ville, il parlait, mais il ne parlait pas l'arabe, il parlait Tawarghli. Mais c'était quoi? J'ai découvert ça sur place. Hein. J'ai été aussi à Marrakech, j'ai été à Rabat, à Casablanca, surtout mon passage à Marrakech était excellent. J'ai fait un congrès des berbéristes marocains. Et aussi, j'ai parlé avec des gens d'Agadir, etc. On parlait notre langue, on échangeait et on se comprenait très bien. Bref, ce que je voulais dire, sincèrement, je vous remercie pour votre travail. Maintenant, je vais poser ma question. Excuse-moi, Mohamed, si j'avais tardé. Non, c'est pas méchant. Oui. Excuse-moi, là, donc, ma question, peut-être il y a deux ou trois questions, mais ma première question, pourquoi ce travail? Pourquoi avez-vous décidé de faire ce travail? C'est quoi l'objectif? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question... j'ai senti dans vos présentations, c'est que vous avez touché des régions et pourquoi vous n'avez pas traité de la question elle-même. On est en Afrique du Nord, il y a une question identitaire
on est encore colonisé. Est-ce que vous avez touché à cette question? Parce que parler du Rif et oublier les autres régions du Maroc, parler de la Kabylie et oublier les autres régions d'Algérie, etc., on dirait que vous avez touché. Oui, je sais que vous parliez des mouvements. Et moi, j'ai envie de comprendre, est-ce que vous avez traité la chose sous cet angle légitime, hein, c'est quelque chose de légitime, la langue, l'identité, l'histoire, la mémoire d'un peuple. Et quand je dis un peuple, du Maroc jusqu'à l'Égypte, y compris les îles Canaries, il y a une situation grave. Et à chaque fois, on essaye de fragmenter la chose. Et le troisième élément, cette histoire de minorisation, est-ce que vous lui avez donné une part de lion? C'est vrai, on parle j'ai aimé le concept, hein, on parle de minorisation et non pas de minorité. Parce que c'est comme quelque chose de systémique. On a décidé que les Berbères sont en Kabylie, dans quelques coins des montagnes, quelque part, un peu Katcha, Kif-Kif au Maroc, etc. Des minorités. Comment peut-on être minoritaire chez soi? Et le dernier élément, c'est cette histoire de concomitance. Si tu deviens musulman, tu deviens arabe. C'est un phénomène gravissime en Afrique du Nord. On peut être musulman tout en gardant notre identité et notre langue. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ces régions que vous aviez vous-même traitées, parce qu'elles sont connues, parce qu'elles se manifestent dans l'espace public. Mais est-ce qu'on a vraiment des statistiques de tous ces habitants d'Afrique du Nord, chacun dans son pays respectif, bien sûr? Est-ce que vous connaissez vraiment, est-ce que vous avez vraiment de l'information sur ce qui se parle, se pense et se dit dans chaque coin de votre pays, de vos pays respectifs? Merci beaucoup. Merci. Il y a beaucoup de questions. Non. Au contraire, on avait besoin de ça. Ça devait susciter des réactions, voire même des critiques. Il n'y a qu'un travail sérieux, pertinent, qui mérite une critique. Donc, on va... Je peux répondre dans un premier temps, après je te laisse aux collègues parler. Oui, je vous demanderai de prendre à peu près 3-4 minutes maximum parce qu'il va y avoir d'autres questions certainement. D'accord, bah, ça sera très, très vite en fait. Alors, pour essayer de combiner toutes les questions, d'abord, en fait, au début, j'avais dit, vous savez, un travail de recherche, c'est aussi limité par le temps. Et un travail de recherche, ça nécessite un fonds de recherche. Et heureusement, c'est heureusement et malheureusement, pour dire, je sais, heureusement qu'on a trouvé un financement, d'accord? Mais malheureusement que ce financement vient toujours des pays extérieurs. C'est pas financé chez nous. Voilà. C'est pour ça que je dis heureusement et malheureusement. Ce qui fait que, et d'ailleurs, avec nous, il y a Rola qui était la coordinatrice du centre de recherche canadien avec nous. Ce qui fait que, il y a un temps limité, il fallait choisir. Il fallait choisir, en fait, des terrains bien précis, sur lesquels, en fait, on doit, mener des enquêtes de terrain. Ça, c'est vraiment pour des raisons très pratiques. Parce que le projet, il devait en fait aboutir avec des conclusions et tout au bout de 18 mois. En fait, entre la phase enquête, la phase de chercher les données, etc. Et même parfois, c'est très difficile. Il y a certaines régions. Moi, Dida, qui n'est pas malheureusement avec nous, qui a travaillé en Libye, c'était des terrains très compliqués. Je me souviens, et je suis désolé de le dire, je sais pas si Nasser il peut me permettre, mais je vais quand même le dire. Le cas égyptien, c'était énorme. En fait, pour envoyer le rapport, il fallait tout en fait un tas d'envoyer les rapports dans des c'était même, ils arrivaient même pas à envoyer le rapport par mail parce qu'ils avaient peur en fait d'être piratés par le service secret égyptien. Ça en fait réellement les conditions de travail c'était compliqué en fait pour chercher un peu des informations. Nous le cas marocain on travaillait au plein période de Hirak du Nord. C'était très compliqué en fait où la région était siégée, on peut même pas accéder en fait. C'est pour ça un peu on a essayer de, voilà, c'était un choix, c'est comme ça. C'était un choix parce que c'est le temps qui ne permet pas de faire ça. On n'a pas traité de la question identitaire dans son processus historique, mais on l'a pris en considération parce que notre angle d'attaque est tout à fait innovant.
On ne voulait pas reproduire des discours, parce qu'il y a énormément de travaux sur la question identitaire à Mazir, au Maghreb, essentiellement au Maroc et en Algérie. Ce qui était génial dans ce travail, c'est que les Tunisiens embarquent avec nous dans l'aventure. Il faut quand même dire que les Tunisiens ont connu le panarabisme beaucoup plus fort que chez les Algériens, et que eux, ils ont carrément occulté la question Amazir, en fait. Les Amazirs n'existent pas chez eux, les Tunisiens. Ce qui fait que c'est le premier travail dans l'histoire des Tunisiens où on fait réellement sérieux qui porte sur un sujet pareil. Ce qui fait que ce sont notre angle d'attaque, c'était de comprendre comment les nouvelles configurations de mouvement Amazir aujourd'hui et comment la question identitaire aller la chercher pas dans le discours mais dans les pratiques. Et c'est quelque chose qui n'était pas en fait fait avant, parce que avant ce qu'on faisait, c'est on allait chez les militants, on leur disait mais qu'est-ce que vous pensez sur la question Amazir, ben, ils nous bombardaient avec un discours bien construit et tout, et on construisait en fait un corpus. C'était tout à fait le contraire de ce qu'on faisait nous. C'était opposé. L'idée pour nous, c'était d'aller chercher la question identitaire, mais dans la pratique en fait, comment les acteurs la pratiquent au quotidien. Et c'était pas forcément des militants, c'était des gens tout à fait ordinaires parfois, d'accord, qui exprimaient cette question-là. Et à travers, je me souviens de ce terrain qu'on avait fait tous ensemble à Ghardaïa, c'était magnifique en fait. On n'avait pas besoin d'y aller chercher des militants. À Ghardaïa, on voyait en fait comment les gens vivaient leur identité à Mazir. Et à partir de ce discours et pratique reliés l'un par rapport à l'autre, on a réussi en fait à présenter et offrir, on prétend en aucun moment répondre en fait à la question Amazir dans sa totalité, mais on a ouvert juste une fenêtre pour les nouveaux chercheurs et pour nous aussi, par rapport en fait, comment la question Amazir n'a pas besoin uniquement des militants, mais c'est quelque chose que les acteurs vivent au quotidien. Et nous, notre travail, c'était de porter le regard et de mettre la lumière sur cet aspect-là vécu au quotidien, aujourd'hui et pas hier. C'était ça un peu notre démarche. Et voilà, j'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions, parce que c'était toutes des questions intéressantes. Ok, Samir, s'il a quelque chose à rajouter sur cette question. Oui, je pense que Khaled, il a abordé la question, c'est-à-dire nous, déjà, c'est-à-dire du point de vue de notre formation, on n'est pas des linguistes ou tous des anthropologues ou des archéologues dans ce sens. C'est-à-dire, on s'intéresse plutôt, c'est-à-dire au présent, à des dynamiques sociales modernes. C'est-à-dire quand on parle sur la revendication amazigh telle qu'elle a été posée, n'existait pas au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIIIe siècle. C'est-à-dire, on s'intéresse à un mouvement social qui est porté par des hommes, des femmes, des structures, porté par des régions, par des élites modernes. Il ne s'agit pas de prouver qui est Mazir ou ne pas Mazir. D'ailleurs, on n'a jamais posé la question en termes ethniques. Quand on parle de berbères, on parle de berbérophones, des gens qui parlent cette langue-là des régions et qui la revendiquent. Et en même temps, c'est-à-dire, nous, notre rôle, c'est-à-dire de s'intéresser c'est-à-dire au vivant d'aujourd'hui, c'est-à-dire aux nouvelles dynamiques, aux nouveaux changements d'aujourd'hui, pour essayer de comprendre pas notre passé. On ne peut pas expliquer notre présent par uniquement par le retour, entre guillemets, je vais un peu vous taquiner, chichidak. On n'explique pas, c'est-à-dire on n'explique pas notre présent par des événements historiques qui remontent je ne sais pas, il y a 20 siècles, 30 siècles, là, je ne sais pas combien d'années, mais aux événements qui ont réellement structuré les populations, les sociétés d'aujourd'hui. D'ailleurs, quand on parle dans notre analyse, on a analysé y compris la question du climat, de la question de l'immigration, de la femme, mais de la femme d'aujourd'hui, pas telle qu'elle a été présentée par Mouloud Ma'amri ou la Camps
ou d'autres anthropologues, c'est-à-dire on la présente du point de vue d'aujourd'hui. C'est-à-dire on n'est plus de face à une femme qui porte eschmour pendant, je ne sais pas, qui porte sur 300, 400 ou je ne sais pas, 2 km. Maintenant, tout a changé. On a le robinet, on a des universités, on a des écoles. La structure sociale, elle a changé. On ne peut pas voir la société d'aujourd'hui avec les lunettes ou là avec les grilles d'analyse imposées par les anthropologues, par les sociologues eurocentriques. C'est une autre façon, notre rapport, c'est ça aussi, c'est-à-dire pluridisciplinaire, mais une autre façon pluridisciplinaire. Et empirique, un autre rapport à la réalité. C'est pour ça qu'on parle de démographie, d'éducation, de climat, de structure économique, d'élite, c'est-à-dire sur le rapport à l'État, quels sont, eh ben, pour l'ironie de l'histoire, d'ailleurs, Jabid a fait une étude sur ça, la majorité des élites gouvernementales. Vous avez 50% des chefs du gouvernement de l'Algérie indépendante, ils sont issus de la Kabylie. On a eu même une tripartite Kabyle, c'est-à-dire où même la discussion s'est faite en Kabyle. C'est-à-dire on a eu un chef du gouvernement Kabyle, le chef du syndicat, c'est un Kabyle, et le chef du syndicat patronal, c'était un Kabyle. C'est-à-dire on ne peut pas poser la question du point de vue ethniciste ou de minorité ou autre chose. Mahan, ça va, 4 minutes, c'est bon. Très bien. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Juste, j'ai envie de te poser une question du point de vue pratico-pratique. Oui? Est-ce que quand quelqu'un personnellement me répond, est-ce que je pourrais intervenir Oui. Ah, pour et, dire. oui, il n'y a pas de problème tout à l'heure, oui, mais nous, moi et toi, on a envie de susciter le débat ici, de lui donner un fondement. Non, 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 Oui, il n'y a juste, pas. j'ai envie de savoir juste la dynamique de l'échange. Oui, bien sûr. Oui. Ça pourrait. Ah, vous l'avez remarqué, Mouna et Samir, vous avez remarqué qu'il y a des gens qui font des réactions. Je vous demande de réagir si vous voulez. Essayez de prendre note tout à l'heure. Pour Mouna particulièrement et toi aussi, Samir, tout à l'heure, je lisais une remarque sur l'agenda futur de la recherche en matière de mouvement amazigh. Il y a une personne qui a réagi, je pense que c'est une dame. Elle Ouais, pourrait être une chercheuse. c'est la responsable Oui. canadienne du Oui, très bien. Oui, si vous pouviez tout à l'heure lui dire quelque chose là-dessus. Moi, de ce que j'ai envie de réagir à ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, mais il est vrai. Et on se rend compte rapidement à vous écouter qu'il y a cette diversité-là. Et même l'histoire, les dynamiques historiques de ces mouvements-là dont vous parlez dans votre ouvrage collectif, il y a une diversité. Donc il y a, comme qui dirait, il y a de la contingence sur le plan géographique, sur le plan du vécu, de l'histoire de la région elle-même qu'on a pris comme repère pour étudier les mouvements. La Kabylie, c'est pas le Rif, c'est pas Sousse. Etc. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est cette question d'identité. Je me rappelle avoir lu un livre de quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le mouvement berbère en Algérie, particulièrement en Kabylie. Il a séjourné pendant des années. Il s'appelle Robert Hugues. Peut-être que vous l'avez lu, vous l'utilisez. C'est quelqu'un qui était venu dans la région de Bouiraï où il était enseignant d'anglais et qui connaît les militants hein, par dizaines. Il a beaucoup contribué, écrit là-dessus. Je peux considérer qu'il a produit une mine d'or en matière de documentation sur le mouvement amazigh, particulièrement je dis en Kabylie, parce que c'est là où a été son terrain d'observation et d'analyse. Sur la question de l'identité, elle est un peu complexe et même parfois rapidement on glisse et il vaut mieux arrêter le débat. Vous comprenez ce que je veux dire, peut-être mon souci. Quand j'écoute notre ami de Tunisie, je suis un peu étonné qu'en 2021, que ce qu'il appelle les sécularistes ne prennent pas conscience, n'intègrent pas la dimension amazigh alors qu'ils ont des populations, c'est-à-dire des dizaines de milliers de citoyens et citoyennes tunisiennes qui vivent chez eux, dans leur pays,
où ils doivent se sentir fiers, je suis un peu étonné. On a eu nos communistes à nous qui ont dénoncé en 1980 les militants de la majorité. Mais ça, c'était 1980, c'était avant le mur de Berlin. Les militants communistes, à partir de 89-90, étaient devenus, et bien avant peut-être, des militants acharnés de la majorité. Certains d'entre eux ont produit dans la langue berbère. Je suis un peu étonné, je ne sais pas pour quelle raison, c'est quoi cette particularité de la Tunisie, au moins reconnaître une minorité et lui donner ce qui lui revient comme droit en tant que citoyen pour la promotion de sa langue, de ses traditions, de sa culture. Comment peut-elle s'intégrer à cette entité nationale si, en soi, je parle de minorité qui parle encore la langue berbère dans la région où elle est, on sait que l'arabe dialectal tunisien, l'arabe académique a triomphé. Il n'a pas triomphé, contrairement, c'est quelque chose que je ne partage pas avec beaucoup de mes camarades, il n'a pas triomphé uniquement par magouille politique, c'est la dynamique de l'histoire qui a fait ça. Surtout dans le cas tunisien, où la centralisation de l'État, la société civile telle qu'elle a évolué dans le temps, comment elle s'est formée, l'arabe a joué un rôle important. L'élite intellectuelle en Tunisie, elle s'est maintenue, elle était restée stable, du moins on a des traces depuis le retour de ces émigrés d'Espagne chassés par les chrétiens d'Espagne qui se sont installés à Tunis et dans ses environs, qui ont maintenu autour de l'État en Tunisie une société civile active et qui avait une seule langue, c'est la langue arabe qu'il a parlé. Et donc la langue arabe en Tunisie, c'est pas quelque chose qui a été importé de d'ailleurs. Ils se sentent peut-être appartenir à une même ère qu'ils appellent le monde arabe, etc. Mais ce n'est pas le produit d'une magouille comme cela, d'une magouille, je veux dire, le mot, il est un peu, excusez-moi, inapproprié pour parler de ces choses, mais par rapport à l'Algérie ou au Maroc, où il y a certainement un déni, un véritable déni. Il y a des États, vous les avez nommés tout à l'heure les Jacobins, qui ont appliqué des politiques pour chasser, marginaliser, bien avant l'indépendance en Algérie, la crise de 49 dont parlait Samir tout à l'heure, l'histoire elle est faite comme ça. Mais j'ai envie d'arriver maintenant à ma question. Mais aujourd'hui, beaucoup de conquêtes ont été réalisées par ces mouvements-là. Beaucoup d'intellectuels et des gens qui témoignent par l'écrit, c'est pour ça que je voulais citer Robert Hugues tout à l'heure, qui considère, et je vous la pose comme question, peut-on encore parler de déni identitaire dans le cas des mouvements amazighs? Parce que les États, et particulièrement État algérien, État marocain, ils ne l'ont pas fait comme cadeau, mais à la suite de pressions qui ont duré des décennies en termes de lutte, de mobilisation. Est-ce que c'est approprié de continuer à parler de déni identitaire à la lumière de ce que vous connaissez, de ce que vous avez comme données récoltées à travers les enquêtes que vous avez réalisées? Est-ce que c'est approprié de parler de déni identitaire pour savoir problématiser les questions culturelles, linguistiques dans nos aires géographiques, là où s'exprime, là où existe ou vit le berbérophone? Pour toi spécialement, Mouna, tout à l'heure tu disais la question à Nazir, elle devient fédératrice. Je n'ai pas saisi exactement ce que tu voulais dire par là, mais de ce que j'ai compris dans ton analyse, c'est que le mouvement amazigh, il se manifeste en Tunisie à travers deux courants particulièrement. Il y a un courant intellectuel qui mobilise l'élite et qui produit beaucoup dans ce domaine, en termes artistiques, en termes de production littéraire dans le berbère, et d'autres à travers les associations qui existent. Et puis, il y a un mouvement social qui est là présent, comme celui qu'on connaît, vous l'avez comparé à celui de la Kabylie, les militants de la majorité de Kabylie, originaire de Kabylie, on l'a vu dans le Hirak, s'intègrent naturellement, parfaitement, dans le mouvement social et politique. Quand on dit social, il ne faut pas le réduire à une connotation syndicale. Hein. Ce n'est pas des demandes de salaire ou de logement. Social, ça, pour un sociologue, ça implique dimension sociétale de vie, de dynamique. J'ai envie de savoir qu'est-ce que tu appelles ils doivent aller dans une démarche fédératrice. Qu'est-ce que tu entends par là? Puis une dernière question, quel a été le lien entre ces différents mouvements qui ont pris conscience, qui se sont organisés entre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie,
la Libye. Est-ce que vous avez des données sur ça? Comment ils ont communiqué entre eux? Tout à l'heure, on citait l'exemple du congrès Amazir qui s'est tenu dans un des pays qu'on cite où il y a un peu de retard accusé par rapport à la revendication au mouvement Amazir. On parlait du congrès de Djerba. Quel est le lien qu'il y a entre eux et en quoi ils contribuent à l'évolution des mouvements Amazir par rapport à leurs revendications? C'est beaucoup, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le détail pour répondre à ces questions. Allez-y, on commencera peut-être avec professeur Djabi qui vient de revenir, il a eu des problèmes de connexion à cause de l'électricité, il me semble. Oui. Allez-y. Je ne vois pas voilà, Mohamed. Connexion sur Jésus. Je peux répondre, voilà, juste après, comme ça, Nasser Djabi peut aussi répondre à la question de sur la recherche aujourd'hui autour de la question Amazir. Moi, c'est juste pour répondre à Mohamed. Pour moi, en fait, la dernière question répond à l'avant-question. Aujourd'hui, par exemple, vous savez qu'en fait, malheureusement, on sait très bien que la région du Maghreb, ce qu'on appelle la région du Maghreb, c'est une des régions au niveau mondial la moins intégrée sur le plan économique. Les échanges entre les pays du Maghreb ne représentent même pas 3,5%, ce qui est en fait fatal pour les générations, pour nous aujourd'hui et pour les générations futures. On peut voir juste en fait dans la gestion de la Covid, les vaccins et tout. Aujourd'hui, en fait, le monde entier gère cette question avec des collectivités. Un pays seul ne peut pas faire face en fait à ce problème. Les échanges entre les pays du Maghreb, ils sont très faibles, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan économique. Et quand on voit en fait le mouvement ou les associations Amazir, et c'est pour ça que j'ai dit en fait que le mouvement Amazir, il se trouve qu'il est aujourd'hui fédérateur de la question du Maghreb en fait. Et on voit comment le congrès Amazir au niveau du Maghreb, tous les réseaux associatifs, les rencontres qui se font, etc., de Djerba au Maroc, ils sont extrêmement solidaires sur le plan identitaire, solidaires sur le plan de communication et très mobiles en fait. C'est-à-dire en fait, ils ont une mobilité d'échange entre eux qui est extrêmement importante. Et c'est là en fait, ce mouvement-là, quand il parle, il ne parle pas dans un discours national. C'est-à-dire, je donne en fait un exemple. C'est le seul mouvement en fait au Maroc et on voit en Algérie qui peut faire des communiqués contre les États, c'est-à-dire le mouvement Amazir marocain, il peut tout à fait faire une déclaration contre l'État algérien. Parce qu'en fait, l'État algérien n'a pas respecté les droits des Amazirs. Et vice-versa. C'est quelque chose, en fait, qui est toléré. Or, si c'est un parti politique, en fait, qui fait la même déclaration contre l'État algérien, c'est de l'ingérence. Même le pouvoir au Maroc ou le pouvoir en Algérie, il dit attention, parce que, bon, OK, il y a des tensions politiques, mais il ne faut pas non plus abuser. Il faut garder un peu l'équilibre. Il n'y a que les mouvements Amazirs qui peuvent transgresser ces frontières-là et aller s'attaquer parce que pour lui, en fait, il ne voit pas d'État derrière. Il voit juste, en fait, une entité politique et identitaire historique, transhistorique, qui a été repoussée, enterrée, minorisée, pour ne pas dire minorité, minorisée pour qu'il ne soit pas visible. Et c'est là, ça me ramène aussi à une autre question. Sur la question, en fait, parce que vous parlez de la question, on a de l'arabe, en fait, on a toujours essayé de montrer la question Amazir comme étant posée en fait, à l'arabe. Or, en fait, la question de l'arabe a tout à fait sa place au Maghreb, parce qu'il a fait partie, c'est la langue d'une civilisation qu'on a héritée et qu'on était aussi, au niveau du Maghreb, les noyaux durs de cette civilisation en Espagne musulmane. L'arabe, c'était la langue des sciences, c'est-à-dire, en fait, pendant entre le 8e et le 12e, 13e siècle, si vous voulez être... C'était l'anglais aujourd'hui, en fait. C'était la langue de la science. Il y a d'ailleurs l'ancien ministre, un très bon livre d'un chercheur algérien qui s'appelle, en fait, « Contre la science par les Arabes », qui est un livre magnifique. Mais
La question amazigh ne vient pas concurrencier en fait l'histoire de l'arabité. L'arabe, c'est une langue de savoir, de connaissance. Et nous, notre problème, et c'est là en fait où tout à l'heure la question sur le colonialisme était très intéressante, c'est que, je vous donne un exemple, vous allez la comprendre très vite en fait. Les pays du Maghreb, le jour où ils voulaient instaurer en fait les lois sur l'immigration, ils sont allés chercher des lois qui existaient en France. D'accord, et ça datait des années 2000. D'accord, c'est le cas de la loi 02-03 au Maroc et tout. C'est l'Algérie, c'était 2003, et les Tunisiens, c'était 2004-2005. Et il se trouve en fait que les lois d'immigration en France ont évolué pour devenir en fait des lois extrêmement répressives. Et on a ramené ces lois, on les a mis chez nous. D'accord, c'est exactement ce qui s'est passé quand on a voulu reconstruire le nouveau État. Et cette nouvelle État, en fait, on l'a reconstruit sur un modèle en fait français, très jacobien, qui est en fait extrêmement anti-diversité culturelle. Il ne faut pas oublier que les Français ont massacré leur diversité culturelle sur l'ensemble du territoire français pour instaurer une seule langue, qui est la langue française, une seule nation. D'accord ? Et on a fait exactement la même chose. C'est l'héritage colonial. En Algérie, en Tunisie, en Maroc, quand on a voulu instaurer en fait l'État postcolonial, on l'a instauré sur un nouveau modèle, et un seul et unique modèle, qui avec deux références, qui l'islam et l'arabe. D'accord ? Et or, la question amazigh ne se posait pas avant, en fait, parce qu'on n'avait pas un État comme aujourd'hui, c'est-à-dire en fait la question amazigh ne se posait pas en fait. Il y avait personne qui se disait en fait dans les montagnes de l'Aurès ou de la Kabylie ou de la Chaouia ou de Sousse ou du Rif ou de Moyen Atlas. Les gens se disaient pas, bah tiens en fait moi je veux que l'État reconnaisse mon identité, parce que dans ces sociétés où les marches faisaient pouvoir, ils n'avaient pas besoin d'un centre pour reconnaître leur identité. On est dans un processus historique complètement différent qui a fait en fait que quand on a commencé à mettre ces identités au sein d'un papier qu'on appelait institution et qu'on a mis une seule et on a écarté les autres, c'est là où ça a commencé à poser problème. C'est l'institutionnalisation qui a posé problème. C'est le moment où en fait on a reconnu une ou deux identités, on a effacé les autres. Parce que il faut se dire aussi, hein, bon, d'ailleurs c'est ce qu'on dit dans le livre, et quand vous avez la question amazigh au Maroc, et c'était pas très différent de le cas de l'Algérie, la question amazigh au Maroc dans les années 50, 60 et 70, en fait, y compris les grands militants de gauche, qui étaient très anti-question amazigh, hein, parce qu'il ne faut pas non plus cacher la voix, l'image en fait derrière, on considérait que Ben Barka, qui est quand même la grande figure de la gauche au Maroc, disait en fait un amazigh, c'est juste un alphabète qui n'est pas allé à l'école. C'est-à-dire en fait la question amazigh, ça sera en fait réglé une fois on a mis l'école au sein des villages et on va commencer en fait l'arabisation. Sauf qu'il se trouve que 60 ans après la colonisation, ben, l'école n'a pas réglé le problème. L'école n'a fait que renforcer en fait cette identité en fait chez une population où la langue maternelle c'est l'amazigh en fait. C'est tout. C'est ça en fait la vraie question aujourd'hui. C'est que nos sociétés, les pays du Maghreb n'ont jamais su. Probablement la Tunisie c'est un cas à part, mais en tout cas le Maroc et l'Algérie, on n'a pas su construire en fait des pays fondés sur une diversité en fait. Et on a essayé de construire en fait des États monotones, très à la française d'ailleurs. Probablement, je ne sais pas, moi je mets juste une hypothèse, si on a connu un colonialisme anglais, on n'aurait pas vécu ça. On aurait probablement vécu autre chose, très différente en fait. On a malheureusement vécu un colonialisme très français. Voilà, on le voit d'ailleurs, on voit juste en fait les Français aujourd'hui, toute la politique française autour de l'intégration, l'immigration, etc., ça se produit encore chez nous de la même manière. On a vraiment en fait, on est des esprits colonisés en fait. Et même quand on pense, on reproduit un peu le même schéma, malheureusement. C'est-à-dire en fait, on n'arrive pas à se séparer de se dire en fait, la France a son histoire. Et que les pays du Maghreb ont une histoire complètement différente. Et que si on ne reconnaît pas
la diversité de, la, de nos sociétés, on ne peut pas aller au-delà, en fait, vers un futur, en fait, sûr. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais que la question Amazir est fédératrice, en fait. Fédératrice au sens culturel, économique, religieux, parce que moi, je me souviens de cette image du RIF, en fait, quand les militants du RIF disaient, en fait, on est des musulmans, mais un islam Amazir. J'ai trouvé ça magnifique, en fait. Ça va à l'encontre même d'un certain discours qu'on essaie de vendre dans les médias, que les Amazirs, c'est des athées, c'est kofar, amnoj, somoj. On était devant des limites, une nouvelle forme de fondamentalisme religieux, d'accord, une sorte d'hybridation entre un islam populaire et un islam en général, un islam politique et la mazérité. Ce qui est en fait nouveau. C'est ce qui est tout à fait nouveau, en fait, dans le champ amazir au Maghreb. C'est ça qui est intéressant. C'est bon. Nassar. Oui. Il y a Rola qui a posé la question sur le... L'agenda de la recherche future, les perspectives. Voilà. On lisait dans les commentaires et les réactions. Oui. On pensait, l'étude a été publiée sous deux formes, yani à la chèque de kitab arabe ou kitab français. Il y a un projet de tarjama anglaise, parce qu'il n'y a pas d'études de ce genre qui est de 5 ans et 10 منطقة داخل المنطقة هذه المغارب الشمال أفريقيا ما فيش دراسات تشبهها لهذا أنا عندي اتصالات الآن مع مؤسسات دولية لترجمة الكتاب إلى الإنجليزية ربما تحديثه بما حصل في السنوات الأخيرة وترجمته للإنجليزية فكرنا واحد الوقت لكن ما كانش سهل حول أن دوكيمونتير سور لا باس دو ليتود أن دوكيمونتير le document passe mieux que l'écrit. Donc, on a pensé à cela. Bien sûr qu'il y a des articles de presse, des émissions télévisées, des articles de vue, mais il est bien si on voit dans le futur des autres pour la comparaison. Parce que celui qui lit l'étude va découvrir que, par exemple, dans le Maghreb, كاين منطقة الجنوب السوس ما درسناهاش بما فيه الكفاية ما درسناهاش تماما منطقة مهمة جدا فيما يتعلق بالمنطقة الأمازيغية في الجزائر المنطقة الشاوية كلها لم تدرس أنا ابن هذه المنطقة وكثير من الناس لاموني كثير يقولوا لي كيفاش لم تدرسوا منطقة الأوراس إذن ممكن جدا يعني إذا تمكننا من الحصول على الدعم المطلوب نقوم بتحقيب هذه الدراسة وبتوسعها إلى مناطق اللي ما قمناش بدراستها في السابق لضيق الوقت ولضيق الإمكانيات لأن نحن أمام دراسة مست شبه قارة شبه منطقة واسعة 5 دول وبالتالي تطلب إمكانيات في المستقبل حتى نقوم بهذه الدراسة في المستقبل وتتحول الدراسات الأمازيغية المقارنة هذه إلى محور دائم للدراسات في المراكز البحث في الجامعات لأن هذا هو الغايب حتى الآن يعني كان لازم احنا الكنديين يدعموا البحث حتى نقوم بهذه الدراسة المفروض أن جامعاتنا مراكز بحثنا تتحول عندهم هذه الدراسات لان ما هو موجود الان من الدراسات كي نشوفوا الدراسات اللي موجوده في تيزي وزو ولا في تلمسان ولا في بعض الجامعات ومراكز البحث في المغرب هي دراسات يغلب عليها الطابع هي مليحه يعني مش 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 معيبه لكن الدراسات يغلب عليها الطابع اللغوي في بعض الاحيان التاريخي في بعض الاحيان ما فيش دراسات تعتمد على مناهج مقاربات ومقارنات وتعتمد على تخصصات متعددة البعد الأنثروبولوجي البعد السوسيولوجي البعد السياسي لهذه المسألة الأمازيغية خاصة من وجهة نظر مقارنة عندما نقارن ما هو موجود في سيوة في مصر مع ما هو موجود في جبل نفوسة في ليبيا ما هو موجود في المنطقة تاع الريف
راح اكيد راح المعطيات تتغير، واكيد ان النتائج ستكون هامه وهامه جدا. وهذا بحث لموضوع اللي سيتطور، يعني ناخذ مثلا حتى لا اطيل مثل فقط ما يحصل في ليبيا مرتبط بمسألة الأمازيغية، بناء إعادة بناء الدولة الليبية من جديد مرتبط بالاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية ورسمية في ليبيا. معترف مسألة الأمازيغية تطرح قضية مدى مركزية الدولة في ليبيا، هل ستبنى ليبيا الحديثة الجديدة على النمط هذا اللي كنا نتكلم عليه خالد اليعقوبي جاكوبان نتكلم عليه محمد، وين عاصمة واحدة وعلم واحد ولغة واحدة ودين واحد وحدية هذه اليعقوبية في بلد واسع مثل ليبيا قارة، أم أن الليبيين وهم يبنون دولتهم من جديد سيراعون التنوع، سيراعون الاختلافات الموجودة، سيراعون الاعتراف بالأمازيغية. وطرحت هذه طرحت القضية طرحت الأمازيغ تاع الجنوب التوارق يطرحون في هذه القضية، والأمازيغ في الشمال يطرحون هذه القضية، وبالتالي إعادة بناء ليبيا الجديدة هي مسألة كذلك ديمقراطية تتم من خلال الاعتراف بالتنوع الموجود في ليبيا وربطها بفضائها المغاربي. اوكي très bien. Je reviens à Jamila si tu as... Ok, je vais poser des questions parce que je les vois défiler. J'imagine que vous les voyez aussi. Il y a des Kahina ou de Fella, si j'ai bien noté son nom. Qu'est-ce que les mouvements révolutionnaires, les mouvements nationaux révolutionnaires, comme la révolution du sourire en Tunisie, le Hirak en Algérie, moi j'aime pas le mot Hirak, la Thenkira. En Amazigh, c'est mieux, ont apporté à la revendication identitaire amazigh. Donc, ces révolutions récentes, là, qu'est-ce qu'elles ont apporté? Et Bouaziz aussi, il a posé la question dans le même ordre d'idées. Le printemps arabe est-il dit arabe? On s'entend déjà même ce terme, printemps arabe, c'est inventé par les Français. Ça, c'est mon commentaire. Le printemps arabe est-il un facteur positif par rapport à la question identitaire amazigh? Et enfin, Chidra, BLM, je vais dire juste quelques idées. Je ne peux pas lire sa question, elle est partie là. Oui, la personne disait comme quoi on nous a menti depuis des années, on nous a bernés. C'est normal que les peuples revendiquent leurs origines maintenant. Donc, ça rejoint un peu les trois questions ou questionnements. Rejoignent. Il y a d'autres commentaires. Il y a des gens qui se posaient des questions sur le mot Maghreb. Il y a d'autres. Ils vous demandent d'appeler les habitants d'Afrique du Nord parler des autochtones. On les appelle les Amazigh. Voilà, donc c'est ce genre de questionnements et de questions que je vois défiler en bas de l'écran. Voilà, donc je vais résumer l'idée. Est-ce que ces mouvements révolutionnaires ou ces soulèvements populaires, si on pourrait les appeler ainsi, est-ce qu'ils ont apporté quelque chose pour Themezirth? Est-ce que Themezirth a bénéficié de tous ces mouvements, notamment en Algérie, en Tunisie et bien sûr même au Maroc? C'est une question. En fait, c'est ce que j'avais dit au début, c'est que c'est le cas de l'Algérie et du Maroc aussi, hein, parce que faut rappeler que dans les années 80, d'ailleurs, quand on fait une étude un peu comparative entre l'évolution de l'anglo amazigh en Algérie, au Maroc, on voit qu'ils sont très similaires en fait. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a un qui vient provoquer l'autre dans une sorte de concurrence positive en fait, où le mouvement en fait dégage à chaque fois des changements assez intéressants. Dans les années 80, ce qui s'est passé en Algérie, ça s'est produit aussi au Maroc, suite au congrès d'Agadir, où tous les militants, une grande partie, ont été mis en prison, etc. Les États, notamment les régimes, que ce soit au Maroc ou en Algérie, dans les années 80 essentiellement,
les années 60, 70, c'était des interdictions, etc. Les années 80, on est passé à l'enfermement des prisons contre les militants amazighs, souvent montrés de doigts comme étant en fait des séparatistes, voire en fait menacer une intégrité, une identité nationale. Et c'est là, en fait, ils sont assimilés à une sorte d'anti-islam. Et l'avantage aujourd'hui, en fait, avec cette évolution, c'est que les mouvements amazighs ont montré, en fait, qu'ils sont composantes culturelles, intégrées à la fois dans leur état-nation, mais aussi dans la région en général, hein, qu'on peut appeler la région du Maghreb, hein, le Maghreb. C'est l'appellation d'origine, en fait. D'accord. Et après, autour de l'appellation le Maghreb, on distingue en fait le Maghreb al-Aqsa, le Maghreb al-Awsat et l'Akhir. C'est-à-dire, en fait, même le terme de l'Afrique du Nord, c'est un terme qu'on le trouve, ce sont les Français qui l'ont introduit, parce que je vois beaucoup qui revendiquent la question, l'appellation de l'Afrique du Nord, c'est l'appellation d'origine. Le terme Afrique du Nord, on le trouve essentiellement dans les premiers travaux des explorateurs de l'Algérie, par la suite du Maroc, etc. Ça n'existait pas en tant que terme. C'est ce qui est connu, en fait, c'est Afrique. Et après, par la suite, on distingue le Maghreb al-Awsat, le Maghreb al-Aqsa. Même Maghreb, ça n'existait pas avant. Oui, le Maghreb en français, oui. Le terme Maghreb, on l'a traduit par la suite. Oui, même en arabe. Non, excusez-moi, parce que moi, c'est par rapport aux réactions des internautes, mais la mienne aussi. Maghreb, ça n'existait pas avant l'arrivée de l'islam en Afrique du Nord. Ça n'existait pas, ce mot-là. Est-ce que cette région avait son nom? Est-ce qu'il y avait un nom? Est-ce qu'il y avait une identité? Ben oui. Pourquoi vous, les gens? Mais je suis tout à fait d'accord. Mais dans ce cas-là, en fait, la France n'avait pas un nom, l'Allemagne n'avait pas un nom, il n'y avait aucun de ces pays qui avait un nom, en fait. Mais nous, on en avait, parce que je ne vais pas comparer le Moyen-Âge. Je comprends. C'est pareil, en fait, aujourd'hui, il y a un certain nombre des historiens. Il y a un certain nombre des historiens quand on travaille sur l'Espagne. Et on dit, en fait, l'Espagne musulmane, il y a beaucoup d'historiens aujourd'hui qui remettent en doute, en fait, cette question-là en disant, en fait, l'Andalousie musulmane, pas l'Espagne, parce que l'Espagne n'existait pas avant l'arrivée des musulmans. Et c'est que c'est les musulmans qui ont fondé et qui ont permis, en fait, la fondation de l'Espagne. Parce qu'ils se sont existés à partir de ce moment-là comme un ennemi autour de lui. Tous les autres ennemis vont se fédérer pour construire une identité qu'on va appeler par la suite l'Espagne. C'est-à-dire, en fait, on ne va pas relire ni revisiter l'histoire. On est juste en train de dire comment on peut investir, en fait, notre patrimoine d'avant dans une question d'aujourd'hui. Et les mouvements amazighs, pour répondre à la question, c'est montré, en fait, a montré une grande capacité. Il a remis en cause toutes les formes de classification officielle à son égard, comme des mouvements séparatistes, menaçant l'identité nationale, menaçant l'unité nationale, pour s'intégrer dans un mouvement très global. Je pense, en fait, la plus belle image de ce que je suis en train de dire, c'est probablement le Hirak en Algérie, avec tous ces drapeaux amazighs, qui circulait, et on revisite l'histoire ou le discours politique en Algérie il y a une dizaine d'années, et la place de drapeau amazigh au sein d'Alger, centre, ça posait un certain nombre de problèmes. Aujourd'hui, c'est ce qu'il disait Samir tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, le mouvement amazigh ce qu'on appelle, entre guillemets, par le printemps arabe, on peut l'appeler par le printemps démocratique, qui n'a pas forcément abouti dans plein de pays, à part la Tunisie. J'espère qu'il continue comme ça. Ça a permis la réintégration de ces mouvements amazighs qui étaient mis à l'écart comme étant, en fait, menaçant une identité nationale. Voilà, c'est un peu pour répondre à la question. Très bien. Nasr Djabi, peut-être sur cette même question, ou c'est bon? Le micro, s'il te plaît. Oui. سي راه مفتوح انا نظن بان وهذه كتبناها في كانت احدى النتائج تاع البحث ان القضيه الامازيغيه المساله الامازيغيه هي عامل الوحده لمنطقه الشمال الافريقي. المساله الامازيغيه توحد عكس ما كان شائع، عكس ما كانت تقول السرديه الروايه الوطنيه للدوله الوطنيه تقول بان الامازيغ كما بينوا
كرو فيما يخص تونس، الفكر البرغيبي كله كان معتمد بأن الأمازيغ تساوي القبيلة والقبيلة تساوي التقسيم. الدولة الوطنية قامت بنفس الشيء في كل المنطقة المغاربية. ما تبينه الأحداث في السنوات الأخيرة وخاصة على مستوى هذه الحركات الاحتجاجية الكبيرة الحراك في الجزائر أو في المغرب أو في تونس، هو أن المسألة الأمازيغية توحد شعوب المنطقة، ويمكن أن تكون عامل وحدة وتنسيق في هذه المنطقة. يعني ممكن أن نكسب في المنطقة المغاربية عامل وحدة إضافي جديد ممثل في هذه المطالب الأمازيغية والمسألة الأمازيغية. الدولة الوطنية تغيرت، الدولة الوطنية تكيفت مع الأوضاع وفتحت بدرجات متفاوتة عن المسألة الأمازيغية. كما هو موجود، نتكلم على ليبيا لأن ما فيش ممثلين من البحث الليبي بهذه الندوة، الليبيين انفتحوا كثير، حصل تطور كبير في السنوات الأخيرة حول المسألة الأمازيغية، طرحت بطريقة واضحة، طرحت على مستوى الدستور، في نقاشات حول مكانة الأمازيغية في الدستور، على مستوى الأمازيغية، على مستوى الإدارة، على مستوى التعليم، على مستوى الجامعات. هذا الأمر لم يكن واردا قبل 2011 و2012. إذن هذا الذي نسميه ربيع عربي هو الذي لأنها هي هذه طفرة، هي الأمازيغية تنجح عندما يحصل تحول ديمقراطي، عندما تكون الكلمة للشعوب، عندما الشعوب يسمح لها بأن أو تفرض رأيها في تقرير مصيرها وفي طرح قضاياها الكثيرة. والمثال الليبي نموذج جيد جدا. في تونس نفس الشيء، في المغرب نفس الشيء، في الجزائر أكيد في المغرب والجزائر ربما الأمور أكثر وضوح. يعني هذه التحولات التي عشناها في المنطقة في الجزائر والمغرب وتونس تقول بأن كل ما كانت هناك ديمقراطية، كل ما كانت هناك بروز للمواطن على مستوى الساحة السياسية، كل ما كانت هناك حريات أكثر، الشعوب ترتقي. وأحد دعائم هذا اللقاء تاع الشعوب هي الأمازيغية. عندما يذهب الجزائري إلى مراكش أو إلى طنجة أو إلى خنيفرة أو العكس بالنسبة للجزائر، ما يحسش روحه غريب، ما كاش إحساس بالغربة عندما تتجول في المنطقة المغربية، لأنك في نفس الفضاء الثقافي، تسمع لنفس الغناء، تسمع إلى نفس الموسيقى، تسمع إلى تأكل نفس الأكل. ابن خلدون كان يقول الكسكسي هو الذي يعرف به شمال أفريقيا والمغرب الكبير. إذن نحن أمام مسألة الأمازيغية هي مسألة وحدة وتدعيم للوحدة الوطنية. قضية مهمة ربما ما تناقشناش لها الليلة، ما كانش الوقت وكاين ربما أسباب تقنية تاع الانقطاع، هي قضية التفكير في المجال الجغرافي للدولة الوطنية. كيف ننظم أنفسنا داخل دولنا وبين دولنا، وكيف تساعد الأمازيغية والديمقراطية في إعادة النظر في علاقتنا كمواطنين بالفضاء بالتراب. هذه مسألة مهمة جدا. يعني الدراسات بينت بأننا أمام مناطق أمازيغية مختلفة، وفي بعض الأحيان نجدها أقرب إلى بعضها البعض بين دولتين أكثر من دولة واحدة. ما يوحد مثلا المسألة الأمازيغية في جنوب الجزائر وفي جنوب ليبيا قريبة جدا عند التوارك، بين 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 جابة وبني مزاب موحدة، وكاين قرب كبير جدا نظرا لوجود مذهب واحد إباضي. الإباضية توحد، الإباضية زايد الأمازيغية زايد الأمازيغية توحد. إذن نحن أمام نقاط موجودة في مجتمعاتنا، أمام اتجاهات ثقيلة في مجتمعاتنا، إحداها الأمازيغية التي تقول لنا بأننا لن نخسر شيئا مع الأمازيغية، العكس سنربح تنسيق أكثر، سنربح تعارف أكثر، سنعرف تنسيق أكثر. خالد كان يتكلم على التبادل التجاري والتبادل الاقتصادي والتبادل الثقافي. الأمازيغية تحل جزء كبير من التبادل الثقافي بين الجمعيات، وهو ما هو موجود الآن يعني بين الجمعيات الثقافية في الأمازيغية في المغرب وتونس وليبيا والجزائر.
المشاريع الموجودة على الفيلم الأمازيغي، الغناء الأمازيغي، كل الأمور هذه بالطبع لا يجب أن نبقى على مستوى الفولكلور، لا يجب أن نبقى على مستوى الجوانب الثقافية فقط، لابد أن نذهب نعيد تشكيل الفضاء الجغرافي للدولة الوطنية. هل نبقى يعني أنا أطرح سؤال وربما كان لو كان محمد كان هنا ممكن نتناقش معه حول القضية، هل دولنا إذا أخذنا مثال الصعوبات الاقتصادية لتونس الآن، هل تونس قادرة على حل صعوباتها الاقتصادية لوحدها كدولة بحجمها هذا الصغير اللي لا يتجاوز 10 ملايين في أن العالم كله يتكتل وإحنا ما زلنا مصرين على حدود الدولة الوطنية الضيقة التي لا يمكن أن تذهب بعيدا؟ لابد من المسألة الأمازيغية هي إعادة تفكير في مسألة الجغرافيا، علاقتنا مع الفضاء، علاقتنا مع التراب، علاقتنا مع حدودنا الوطنية. خالد كان يتكلم على الدول القديمة والدولة الإسلامية القديمة والدولة الأمازيغية القديمة، هي ليست نفس الحدود التي نعرفها الآن، وهذا العمق الثقافي التاريخي لشعوبنا. بالنسبة للجزائريين أو التوانسة اشتركوا في أكثر من دولة وأكثر من تنظيم سياسي واحد وأكثر من ارتباطات سياسية واحدة. إذن نحن أمام لابد أن نكون مسألة الأمازيغية نظل تدعونا إلى نوع من الذكاء والتجديد والجرأة، الجرأة عندما نطرح قضايانا المتعلقة بالتراب، بالحدود، بالمسألة الثقافية، بالنشاط الاقتصادي. لابد من جرأة، لابد من أننا نكون في مستوى التحديات. المنطقة المغربية تعيش بين فضاءين، بين أغنى فضاء في العالم من أغنى الفضاءات، مع نحن أمام جيران وجها لوجه مع أوروبا الغربية الغنية المسيحية البيضاء، وفي نفس الوقت نحن جيران مع أفقر بلدان العالم هي دول الساحل. هل سنبقى هكذا مقسمين ومتصارعين ومركزين على جغرافيا تاع الدولة الوطنية التي أصبحت عاجزة عن تلبية المطلب الاقتصادي والمطلب الاجتماعي والمطلب السياسي، أم أننا نبني هذه الوحدة المغاربية الكبيرة التي تجعلنا نكون نواجه، ربما لن نكون ندا للند لأوروبا لكن نواجه، لكن نكون عندنا حضور في مواجهة أوروبا وفي حل مساعدة في حل مشاكل تاع البعد الدولي ما هو موجود في الساحل من اضطراب أمني، من اضطراب سياسي، من اضطراب. وهذا دورنا كمغاربيين، دورنا كمغاربيين، وهذا الدور جزئيا أو كليا يعتمد على الأمازيغية كعامل وحدة وكعامل تنسيق ما فوق الوطني. Merci beaucoup. On s'achemine vers la fin de ce débat. On peut rallonger encore quelques minutes. Mohamed, est-ce que je peux poser une question d'un internaute? Oui, vas-y. Ok, donc c'est Abdallah HM. Dans quelle mesure on peut considérer le retour à l'amazigh actuellement comme l'une des formes de résistance au changement qui caractérise les pays d'Afrique du Nord? Si nos invités ont compris la question, oui. Oui, oui. Moi, je pense que si j'ai bien compris en fait la question, c'est, je trouve que c'est même très très pertinent. Il y a un autre qui pose la question sur le mouvement amazigh et l'anti-capitalisme, l'anti-mondialisme, etc. Probablement, en fait, l'acteur amazigh a toujours adhéré à des partis classiques. Au sens de parti de gauche, etc. La question amazigh a été sortait de temps en temps comme sorte de revendication culturelle. Il se trouve qu'aujourd'hui, ces partis classiques, la plupart d'entre eux, hein, si on prend le cas, en tout cas en Maroc et en Algérie, adhèrent complètement à des thèses de pouvoir central. Et ils sont parfaitement en fait, dans l'horizon de pouvoir central. Et aujourd'hui, le monde associatif avec des mouvements amazigh représente
une alternative extrêmement importante qui va même parfois à l'encontre de l'idéologie en fait des pouvoirs centrales où les partis classiques l'ont épousée. Et ces mouvements amazighs, en fait, ces associations se séparent nettement pour aujourd'hui être des nouvelles formes alternatives de changement politique et de changement social au sein de nos sociétés. Et c'est là, tout à l'heure, quand je parlais de plusieurs, le Hirak du Rif, par exemple, ce qui a fait la force de Hirak du Rif, c'est d'abord, en fait, l'État a laissé apparaître un certain nombre d'associations dont à but économique, etc., dans les zones tribales, tout en disant, bon, c'est, il n'y a pas de revendication politique, alors c'est très bien. Sauf que ce sont ces mouvements-là qui portaient réellement les demandes sociales émergentes d'une population défavorisée et qui l'emportaient avec un message et des voix politiques au moment où les partis traditionnels classiques négociaient plutôt des positions et des postes et voire au sein de la capitale auprès de pouvoir central. Et c'est ça en fait qui fait qu'aujourd'hui les mouvements associatifs amazighs ne représentent pas uniquement un modèle de changement social, mais représente aussi une nouvelle, c'est un virage énorme dans la pratique politique et culturelle au sein des pays du Maghreb, en fait, où la question de l'amazérité ne se présente pas uniquement comme une demande identitaire, se présente d'abord comme une revendication politique, économique et tout d'abord démocratique. C'est pour ça, en fait, on parlait de la démocratie pour nous qui, comme une entrée, parce que je pense que probablement aujourd'hui, le mouvement amazigh a compris une seule chose, et c'est grâce aussi parce qu'il a cumulé suffisamment d'expérience pour arriver à ça. Il a compris que les seules voies pour une reconnaissance identitaire et culturelle de ces revendications passe d'abord par la construction des États démocratiques. C'est-à-dire, si avant on négociait juste la reconnaissance de la langue et tout, aujourd'hui on a compris, en fait, on ne peut pas avoir accès à une véritable reconnaissance si on n'a pas des États démocratiques. Et si on n'a pas aussi une intégration, c'est ce que Jabi tout à l'heure disait, si on n'a pas une intégration régionale. Parce que ce sont des mouvements qui sont extrêmement reliés les uns aux autres. Et qui se reconnaissent justement à travers des situations socio-économiques qui sont très similaires, intra-régionales plus que nationales. Voilà. Ben, très bien, j'avais justement une question pour vous trois. Je ne sais pas si c'est pour conclure, mais si Jamila a encore une question. Il reste juste une question. Oui, la poser. Moi, depuis tout à l'heure, on l'écoutait et on disait, parmi les leçons, les conclusions qu'on peut tirer de l'évolution des mouvements amazighs, quel que soit l'exemple qu'on prend, mais surtout l'Algérie, le Maroc, on peut aussi intégrer l'exemple libyen et même tunisien, c'est qu'on a appris des choses. Je reprends l'expression de Jabi de tout à l'heure, « Mas'ala al-amaziriyat wahid shu'ub al-mantiqa ». On peut l'exprimer d'abord dans le cadre d'un même pays. Je me rappelle de ces militants du Hirak, quel que soit la région d'appartenance de l'ouest, de l'est, du sud du pays, la façon dont ils réagissaient aux faits amazighs, à la revendication amazighe, ils en font les luttes auxquelles eux-mêmes ou leurs aînés dans leur région, auxquelles ils n'ont pas participé, ils en font leur propre héritage. Ils considèrent que les enfants qui ont fait 1980, qui ont fait même 2001 et qui ont fait peut-être des mouvements antérieurs, si on remontait encore dans l'histoire en 1949, on a entendu des gens parler de la crise berbériste vécue dans le parti nationaliste PPA, etc. Ils en font le leur, c'est leur héritage à eux. Ils le considèrent comme ça. C'est comme ça qu'on peut comprendre Mas'ala amaziriyat wahid shu'ub al-mantiqa. On le dit, je dis, en Algérie, on peut l'exprimer ailleurs. De votre point de vue, l'évolution de ces mouvements, tel que vous l'observez, à travers les enquêtes et à travers ce que disent des acteurs, vous l'observez vous-même. En quoi elle peut jouer un rôle
par rapport à la prise de conscience. Tu as raison, Mouna, de dire 3%, c'est tout simplement l'équivalent d'une façon d'annoncer les rapports catastrophiques que nous entretenons. Nous avons un énorme potentiel pour développer les économies et nos sociétés, mais on n'exploite pas pour des raisons bassement politiciennes entre les régimes qui sont à la tête des différents États de nos pays, mais particulièrement ici, c'est l'Algérie et le Maroc, on doit le dire comme ça, dans ces termes-là. En quoi ces mouvements-là, avec leurs acteurs, leurs militants, les contributions qu'ils font au quotidien, quel que soit le domaine de leur contribution, mais surtout quand ils s'expriment socialement et politiquement, en quoi ils peuvent contribuer non seulement à la prise de conscience, mais aussi à aller de l'avant en termes pratiques, en termes factuels, pour opérer un changement, pour aller vers ces solutions salvatrices, permettre à l'Algérie et le Maroc d'échanger, permettre à la Tunisie et l'Algérie d'échanger, de construire ce grand ensemble qui est réuni, je ne veux pas faire de bataille terminologique, qui réunit Temesra ou qui réunit le Grand Maghreb, qui est le nôtre aujourd'hui. En quoi? Comment peuvent-ils contribuer à cela? Deuxième question, c'était le dernier mot que tu as évoqué tout à l'heure. La majorité et toutes les composantes de nos sociétés au Maghreb, elles peuvent s'exprimer, elles peuvent s'épanouir, mais à la condition qu'on édifie des institutions démocratiques. Et là-dessus, comment tu vois, à la lumière des mouvements politiques qu'on connaît, comme le Hirak algérien, comme il y en a eu des mouvements en Tunisie et ailleurs, même au Maroc, comment tu vois cette évolution? Quel impact peut-elle avoir sur justement ce besoin, cet impératif de démocratiser nos institutions dans les différents pays? Allez-y. Qui veut commencer, Mouna ou Samir? أنا أظن بأن ما بينته الأحداث هذه في السنوات الأخيرة منذ على الأقل 2011-2012 أن لا يمكن حل مشاكلنا الاقتصادية الاجتماعية السياسية بدون ديمقراطية وبدون حريات. لابد من الدفاع عن الحريات بمفهومها الواسع، لابد من العمل على خلق المواطنة الفعلية، لأن المواطنة والحريات والديمقراطية هي التي تجعل المواطنين يعيدون النظر فيما ما هو موجود بيناتهم، سدير ابتداء من قضية الدولة الوطنية، قضية الاقتصاد، قضية الفساد، قضية التعليم، قضية العلاقات بين الشعوب، علاقتنا مع أوروبا، علاقتنا مع الساحل، علاقتنا فيما بيناتنا. نتكلموا كثير عن العلاقات بين المغرب والجزائر، نقولوا بأن هناك أسباب سياسية وأنظمة مختلفة هي التي تجعل بأن ما فيش تفاهم وما فيش تنسيق بين الجزائر والمغرب، لكن ما الذي يمنع أن يكون هناك تنسيق وتفاهم بين الجزائر وتونس أو المغرب وتونس؟ إذن المسألة هي مسألة بعض الأحيان النخب الوطنية بوست انديبندانس اللي اكتفت بالمجال الجغرافي الوطني، اكتفت بما هو موجود، بما تركته لها الدولة الاستعمارية، يعني نخبنا اكتفت بما حصلت عليه من الاستعمار، لم تفكر في بناء مغاربي آخر يتجاوز لولاج، هذا لولاج نتاع الدولة الوطنية الذي كسبته من الاستعمار. احنا كأجيال جديدة خاصة مطلوب التفكير في أشياء أخرى، ولهذا قلت لابد لنا من كونسوا بلوز اوداسيو، نكونوا أكثر جرأة في طرح قضايا التي لا يمكن بالضرورة أن تكون حلها موجود في حدود الدولة الوطنية الحالية. الدولة الوطنية، أنا نظن بأن الدولة الوطنية الحالية بحدودها عاجزة عن حل الكثير من القضايا. لو نبقى في الإطار تاع الدولة الوطنية سنعجز عن حل الكثير، على القضايا الاقتصادية، على القضايا السياسية، على مواجهة ما هو موجود من تحديات في شمال
المتوسط، ما هو موجود من تحديات. عندنا تحديات في بعض الأحيان نظهر وكأننا غير واعيين بخطورة الأوضاع في الدول الساحل. صدر أوني بري حنايا في كماشة بين أوروبا وبين دول الساحل، عندنا مسؤوليات، وهذا حاصل منذ تاريخنا الطويل. تاريخنا الطويل كان يقول بأن المنطقة المغاربية وأبناء المغرب كانت عندهم مسؤوليات إزاء دول الساحل، وكان عندهم دور في الساحل، وكان عندهم دور في أفريقيا. إحنا وكأننا اكتفينا، طموحاتنا تحددت، طموحاتنا تقلصت، وأصبحنا فقط نسير في بعض الأحيان ما دون الدولة الوطنية، ما قبل الدولة الوطنية. يعني كان ممكن نسقط إلى ما قبل الدولة الوطنية، في حين أن المطلوب منا هو إعادة النظر، التفكير في هذا المجال الجغرافي الواسع اللي هو شبه قارة نتاع المغرب، من مصر حتى الجزر الكناري. كيف يكون مجال سياسي تعددي ديمقراطي، كمجال اقتصادي، كمجال للحريات، كمجال لإعادة التفكير في علاقتنا، في أنفسنا، في ثقافتنا إلى آخره. أنا أظن بأن الأمازيغية تعطينا فرصة ل un peu sortir du carcan des frontières et de l'État-nation اللي راه عايشة أزمة. لابد أن نعترف بأن الدولة الوطنية بحدودها هذه، باقتصادها الهش، صدر كيفاش تنافس أنت الأوروبيين اللي ولو ما يجوكش كفرنسيين وكإسبانيين وكإيطاليين، يجوك كأوروبيين وهما أقوياء ويجوا متوحدين، وأنت الضعيف تروح وحدك. يعني لابد من إعادة التفكير، وأنا أظن بأن الأمازيغية تقدر تكون une clé pour réfléchir sur ces questions de frontières, de géographie, d'espace, de relations avec le Maghreb, de relations avec l'Afrique du Sahel. ونظن الأمازيغية بالقاعدة تاعها، بالقاعدة الجمعوية، بالجمعيات الموجودة، بالكفاءات التي يمكن أن تجندها، بإعادة التفكير في دور الوطنيات، للناسيوناليزم، لكريز دو ناسيوناليزم دون المغرب. نحن أمام وطنيات مأزومة، فشلت في بناء دول قوية واقتصادات قوية وإلى آخره. دونك الأمازيغية ممكن تكون هي مجال للتفكير، ولهذا البحث إذا تطور في المستقبل ممكن يتوجه نحو هذا التوجه، الأمازيغية كعامل وحدة، كعامل تنسيق، كعامل إعادة التفكير في هذا المجال الجغرافي الواسع اللي هو المجال اللي راه يضم كل منطقة الشمال الأفريقي، وهي قوة اقتصادية كبيرة وقوة بشرية قوية، وممكن تكون ند لأوروبا، ويمكن أن تساعد دول الساحل. رولا عندها أسئلة. كومون لي ريفونديكاسيون دي جيل أمازيغ سون تيل ديفيرون دو سيل دو لير بارون؟ Vous voulez revenir là-dessus, sur cette question? Moi, je pense que c'est dans les mêmes revendications. Oui, oui. Même ma fille, elle a les mêmes revendications que moi. Oui. Le mouchamaat a tawarat bsur'a fil Maghreb, fil mantqa al magharibiya. Mais sur le plan identitaire, on n'est pas libre chez nous. Sur le plan identitaire, la question n'est pas réglée. Moi, j'entends des universitaires parler du fait culturel, de ce site. Non, la question identitaire, elle est plus profonde que ça. Elle est plus profonde que ça. Nous sommes colonisés. Moi, je trouve que les chercheurs d'Afrique du Nord, le jour où ils comprendront ça, quand le Nord-Africain sera libre, on va penser aussi construire le bloc d'Afrique du Nord. L'individu nord-africain n'est pas libre. Il est écrasé dans ce qu'il est. Sa langue maternelle, sa citoyenneté, tout. Mais quand tu touches la langue maternelle de quelqu'un, tu touches son identité. Et après, tu veux qu'il construise quelque chose. Il ne peut pas construire quelque chose. Ça, c'est un fait. Moi, je vais revenir à votre travail. Excusez-moi. Les mouvements amazirs d'Afrique du Nord. Moi, sincèrement, quand j'ai vu le titre, j'ai pensé à la dynamique politique revendicative. Et tout à l'heure, il y avait parmi vous, certains qui ont parlé que vous vous êtes vraiment intéressé aux acteurs
aux simples citoyens comment ils vivaient leur amazérité, leur mode de vie, etc. Donc moi, je vois qu'il y a deux dynamiques dans votre étude. Moi, j'aimerais bien la lire. J'espère qu'on aura une occasion, après avoir lu votre travail, de revenir là-dessus. Ce que j'ai remarqué aussi et que j'ai entendu chez les autres universitaires, que ce soit en Algérie ou ailleurs, d'ailleurs, ça fait pas longtemps, une chercheuse de l'université de Tizi Ouzou, l'Académie Mouloud Mahamri, elle parlait des moyens financiers. C'est qu'un chercheur, il peut faire quelque chose, il peut même pas le rendre public. Ils ont fait une bibliothèque numérique, mais ils n'ont pas les moyens de la rendre publique pour qu'elle soit accessible à tous les consommateurs de la culture, du savoir, etc. Donc, vous, tout à l'heure, vous aviez parlé, vous avez été financé par l'extérieur. Ça veut dire ces pays-là, que je prends le Maroc et l'Algérie comme deux pays soi-disant qui ont fait un petit pas en ce qui concerne le fait amazigh, mais ils ne financent pas, ils ne donnent pas les moyens. Donc, pour moi, personnellement, l'identité est une question plus profonde qui va au-delà du fait culturel, au-delà du discours. Et tout à l'heure, Monsieur Mounaï parlait du côté vraiment pratique, pragmatique. Effectivement, donc sur le terrain, du concret, c'est que même les chercheurs, quelque part, ils sont des militants, mais on ne leur donne pas les moyens de faire leur travail. Donc, voilà. Donc, ma question, vous n'avez pas les moyens de réaliser vos projets comme il se doit. Pourquoi vous n'avez pas les moyens? Parce que probablement nos pays manquent de courage et on n'est pas aussi dans des systèmes, je dirais, qui acceptent la diversité, la démocratie, le jeu démocratique, en fait, où on peut parler de tout à l'heure, quand j'ai dit, on peut. Là, le chercheur, c'est aussi la voie à travers laquelle, en fait, des minorisés ou des minorités, les deux, des minorisés et des minorités, et il devient l'intermédiaire d'un savoir, en fait. Il parle à leur place, il devient un moyen. C'est pas. On a à la fois une double casquette. Moi, je vais revenir juste à un truc, quelque chose que vous avez dit, en fait, tout à l'heure. C'est un peu. Il faut quand même reconnaître. Les États chez nous, ils vont financer. Si vous faites un rapport sur les avancées. Des avancées sur la question de la reconnaissance et vous faites en fait et vous jetez des fleurs sur ces avancées institutionnelles, constitutionnelles faites par les États et tout là, vous aurez des financements tout de suite. Mais si vous apportez en fait un éclairage critique et un travail très empirique, ça commence à déranger. Et à ce moment-là, en fait, il n'y a pas de financement. C'est malheureusement ça, surtout dans les sciences sociales, en sociologie, en anthropologie, malheureusement, c'est comme ça. D'ailleurs, même quand on commence à faire des terrains, tout de suite, on voit des formations qui se ferment, des profs qui sont dérangés et tout. C'est la vérité. Maintenant, vous parlez un peu de la question de l'identité individuelle. Mais moi, j'ai aussi une question à vous poser. Mais comment peut-on parler d'une identité individuelle dans des pays, par exemple, si je prends le cas du Maroc, bon, l'Algérie avait quand même quelques avancées par rapport à ça, dans des pays où les gens, individuellement parlant, ne peuvent même pas donner un prénom amazigh à leurs enfants. C'est-à-dire, en fait, pour nommer, pour inscrire votre enfant au sein de l'administration. Même, par exemple, je vous donne un exemple très simple, c'est que la loi au Maroc a changé. Maintenant, on peut donner un prénom amazigh à son fils. Mais ce n'est pas ça le problème aujourd'hui. Le problème qu'on a aujourd'hui ne se présente même pas de point de vue institutionnel. Aujourd'hui, on a des acteurs, d'accord, qui résistent en dehors des institutions de l'État. D'accord? Et c'est le dernier fonctionnaire qui travaille au sein de registre de la famille qui refuse de transcrire le prénom que vous voulez donner à votre fils, parce que c'est un prénom qui n'est pas musulman, qui n'est pas arabe. Parce qu'en fait, l'arabisme et le musulman chez les gens, ce sont des prénoms, en fait. On ne peut pas être, je ne sais pas moi, on ne peut pas appeler, vous ne pouvez pas donner un prénom amazigh à votre fils parce que amazigh, ça existait avant l'islam. Et il y a un vrai problème, c'est-à-dire il y a un blocage culturel par rapport à l'identité qu'on a, ce qui fait que,
Aujourd'hui, c'est là où ce que disait Nassar tout à l'heure, c'est qu'en fait, nos États se sont construits sur une idée de ce que il y a un philosophe marocain, Mohamed Abid el-Jabiri, qui appelle ça en fait Taqafat el-Ghanima. C'est la culture de butin en fait. Et ceux qui ont c'est ceux qui ont cumulé en fait et on a remplacé Taqafat el-Ghanima, le butin chez nous dans nos systèmes politique et économique, par l'économie de rente. Le rente, c'est le ranima. D'accord? C'est le butin. C'est ce qu'on peut tirer. Ce qui fait qu'on s'est fermé sur nous-mêmes et on a commencé à développer, en fait, une thèse qui va à l'encontre même de ce qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire, les gens n'arrivent même pas. Je me souviens en Algérie, quand la moitié des Algérois sont d'origine kabyle, mais en même temps, ils sont anti-kabyles. C'est assez intéressant de voir comment quelqu'un il peut être à la fois une identité, mais à l'encontre de sa propre identité. On a construit, en fait, je ne sais pas si on peut appeler ça des citoyens. On n'est pas arrivé au degré de citoyen, mais on a construit des individus chez nous, dans notre région, qui sont en fait doubles. Ils sont à la fois eux et pas eux. Et ils sont amazighs, mais qu'ils ont du mal à revendiquer une identité. Le système scolaire, en fait, ne permet pas de construire une aisance par rapport à ce qu'on est, parce qu'on n'a jamais été des pays démocratiques où l'individu peut s'épanouir, en fait, dans une diversité culturelle. Notre problème, c'est pour revenir, en fait, à la question de l'amazighité, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? L'amazighité dans notre région est, contrairement à des partis traditionnels, l'amazighité produit en fait un double discours et un double pratique. C'est à la fois un discours qui est ancré dans le local, avec des revendications économiques, mais qui a une portée régionale. C'est-à-dire, en fait, le discours amazigh tient sa force de ses références et de son ancrage culturel. Et cet ancrage-là n'existe pas forcément dans l'État-nation. Il existe dans la région, une région élargie. C'est pour ça, en fait, quand Nassar il disait, en fait, que la mazérité, c'est symbole de l'unité. C'est là où l'intérêt de ce discours, c'est que aujourd'hui, en fait, le mouvement amazigh, c'est celui qui a produit plus de cumul en termes de partage entre la population du Maghreb que les partis traditionnels, qui sont plutôt enfermés dans des territoires et des frontières. Or, les mouvements amazigh, ils arrivent à produire un discours qui se déplace au-delà des frontières pour épouser, en fait, des revendications en Algérie, en Tunisie, et en Algérie, on va venir au Maroc, etc. Il y a un va-et-vient, une circulation des revendications et des références qui ne respectent pas les frontières que l'État-nation a mis en place. Et c'est là, en fait, où la question amazigh devient parfois très dérangeante, en fait, parce qu'il ne se plie pas à un autoritarisme, en fait, des États-nations. Elle échappe à cet autoritarisme parce qu'elle est très fluide, elle est très comprise, elle est très dynamique. Et c'est ça qui vient déranger. Et c'est la raison pour laquelle, pour répondre à la question de recherche, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de recherche sur cette question qui sont financées par nos États. Voilà. Samir. Oui, Samir. Oui. Non, enfin, en termes de conclusion, enfin, le truc. C'est-à-dire, sur le projet de recherche, d'abord, ce n'est pas sur la question de l'identité, de la langue, de tout ça. C'est-à-dire, il a porté, c'est-à-dire sur les mouvements amazigh, sur les sociétés elles-mêmes, c'est-à-dire amazighophones, ces régions-là qui ont porté leurs revendications amazigh. Sur la question de l'identité, c'est-à-dire il faut voir les choses, c'est-à-dire en face, il n'y a pas d'identité avec un seul E. C'est-à-dire quand on parle d'identité, c'est avec S. C'est-à-dire l'amazighophone ou le berbérophone n'a pas une seule identité liée essentiellement à la question de la langue ou de telle ou un tel tradition ou de lier un fonctionnement d'une société. Justement, l'apport
C'est-à-dire, à mon sens, de ce projet, il est aussi là. C'est-à-dire, il a été dans une dynamique, au sens scientifique, bien sûr, de rupture avec la segmentarité dominante dans le champ de la recherche scientifique concernant notamment les populations amazighes. C'est-à-dire, on a étudié ces populations ou ces mouvements avec un regard moderne, avec dans toute sa complexité. Il faut, moi, je considère qu'il faut cesser de voir les amazighophones sur le bercis ou le chameau, le voir avec un regard t'as les années, c'est-à-dire avant le colonialisme ou là pendant le colonialisme, parce que les sociétés, c'est-à-dire qu'il faut les voir, les sociétés amazighophones ou les dynamiques politiques associatives, les dynamiques sociales qui portent aussi cette revendication. C'est-à-dire qu'il faut cesser de les revoir, c'est-à-dire de les voir avec le regard il y a de siècles, parce qu'entre-temps, il y a de grandes transformations qui se sont opérées. Concernant l'Algérie qui a subi, par exemple, une colonisation de peuplement, il y a eu des destructions, restructuration de la société algérienne, il y a l'apport de l'État national, on a l'université. Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu avoir les événements de 80 sans l'implantation de l'université de l'université à Tizi Ouzou? Est-ce qu'on aurait pu construire des élites modernes telles qu'on les connaît aujourd'hui sans l'université d'Alger, de Tizi Ouzou, par exemple de Béjaïa et après de Bouira, Ouargla, par exemple, dans toutes les dynamiques locales, où là où il y a une université, il y a de nouvelles dynamiques. Est-ce qu'on peut exclure le rôle de l'entreprise, de l'administration? C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux rapports sociaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas analyser les sociétés avec les rapports sociaux ou économiques, tout ça, d'il y a 130 ans ou là 140 ans ou là il y a deux siècles, mais avec le regard d'aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Quand Ma'amri ou les ethnologues ou là qui abordent la question de la femme, comme par exemple c'était le fondement de la tradition, de la langue, de tout ça. Mais la femme, la maman d'aujourd'hui, elle prépare son fils pour être citoyen du monde, citoyen canadien, français, tout ça. Elle ne le prépare pas pour être reproduire cette identité. C'est-à-dire qu'il faut le reconnaître. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à aborder nos sociétés, nos dynamiques politiques, nos dynamiques sociales de cet angle, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Et je me tais. Merci. Ah, je ne suis pas d'accord avec vous. Et Allez. allez, c'est pas Ah, grave. je suis non, non, non. On peut reproduire, on peut élever notre enfant à être d'abord lui-même et être citoyen du monde après. Mais tu ne peux pas Mais être on parle, madame, pardon. Là, ça dire. citoyen du monde si on n'est pas d'abord nous-mêmes. Mais on parle de tendances lourdes dans nos J'ai très sociétés. bien compris. Est-ce qu'ils ont raison? Ils ont tort? C'est pas notre problème en tant que chercheurs. Nous, Ah non, on explique des phénomènes. vous parlez d'un regard moderne, c'est comme si les autres ont un regard archaïque envers la société d'aujourd'hui. Non. Ils ont un regard segmentarisé. Et non, non, même vous avez choisi quelques régions, on peut en parler aussi, c'est pas ça. Mais dire un regard moderne, tout à l'heure d'ailleurs, vous n'êtes pas d'accord avec l'affaire de Chichnat, ben je pense que tous les peuples ont besoin de repères. On a besoin de nos repères. Je parle Jugurtha, Massinissa, Chichinard et tout le monde. Pourquoi pas? On ne peut pas voir la société comme ça maintenant sans regarder son essence et sans avoir un regard global sur son passé lointain, sa mémoire collective et ses défis d'aujourd'hui et aussi sa vision lointaine. Qu'est-ce qu'elle veut par la suite? Mais non, je suis pas d'accord avec vous. Voilà, j'ai terminé. Mal, grave. Alors, j'aurais aimé Adm et ça me frustre. On parle en français, on parle en arabe, mais on ne parle pas dans notre langue aussi. Mais Et ouais, c'est un regard moderne, c'est pas un regard moderne, c'est une catastrophe moderne.
ماشي لو كان الزرابي سو مزيان سوشي تيرو سوشي تيرو سوشي يهضر وينا تيرو سترومي باش يدنش أنا غير غنخدم أنا روستي فينا أنا روست ماشي دواكي دو غوري كان أمس العيد سمحي يا محمد فك ولا خطرة سكي في موسو مزيان سمحي لي دي لعنيك سمحي لي هاد المسلاي وين لكن يدي من الكالندري بربر لا شاوي مدي يسفهم دي غير يختار شي شناق يختار خطر الا قد نف يزور لنا غير قيون اسمري موق الغار دفير هذه زران سيدي كان ذا شو ثاني كتدو وجي سوازالي سمي كين يغوري ازاب اموسو امازيغ ثان كلاكو امازيغ انا ماذي المروك انا ماذي الجزائر انا ماذي تونس انا ماذي ليبيا انا ماذي مصر وكذا كلاكو يدي كرنا كثورة ماذا قلنا نكوني انا وانت مازغا وانت مسلاي راس مازيغ وانت مسلاي راس مسلاي ثنا ولا هي رانا ولا نكوني نوغالا نتوالي ايماننا اماكن نفاس كيماننا انت مسلاي غا في ايماننا اماكن ماشي نكوني يعني غواكي قلنا يسالن قلنا يسالن باش نتمسلي كي يارانا ارثورا اي غير نتمسلي على مازيغتنا يارانا ايوا شو ايوا شو خاطر ثورا ثمسلي زنت يذول يزوران ماذا قلنا ثمسلي ثاكي ولا شيت يزوران يكون روحن سقلي سقلي ماس خالد يتمسل عيد في لا ديفيرسيتي ماشي لا ديفيرسيتي دو كور ماشي لا ديفيرسيتي دو كور نسعى ادافو يعني غا البوفوار نسعى ادافو اما غورنا اما دي ماروك اما كيس موراني ظن دي زيتا جاكوبان ادافو ياكي ماشي يوكا لا ديفيرسيتي هذي لين لي شينوا هذي لين لي فرونسي لي زالمون وكذا كي كو غورنا معليش تامازيغ كيفمي شغفل إلا قرات أو غور نسلم قران إلا قد تروح تمسلي ثاكي إلا قد يروح لي زوران لاكي فغانا تسنو الفون أمذان أما فرقاز أما تمطوط ويسعى لا كوك أمزرو يسعى لا غلاغ ويسعى لا شفايط ويسعى والو يعني راك كي سكني غفاياكي إلا مي ماشي زعما سمير العربيني دني ذاك اللي إلا ويني دني سوازاليس إلا ويني كوعر ما اسمان سعوثا مغلي اكاكي اخطر فقرضت فغلط اتليت مغلي تورا نعتن مقل سومافا لا ضغط مقل كان كيون وحريش ولا ضارة ولا شيء وحريش ولا ضاك نكتيني مياه جميلة سور فيك ثقي يزمر الحال ثقي ذم سلين نظن يلبوز دوتر بروبلم On peut l'aborder, c'est pas un problème. Le vécu. Non, tu as raison. Il faut revenir sur la matière, mais on a les grandes idées qu'ils ont exprimées, dont on a parlé, c'est pas un problème. Mais je veux te dire que l'espace aïen d'un lakaï, nous connaissons, on a pris l'habitude. C'est ça pour nous le sens de la solidarité et de l'intercompréhension. Parler arabe, parler berbère, parler français, ici, je pense que c'est d'abord la langue que parlent les Algériens et par extension des Marocains, des Tunisiens. Ça ne nous pose aucun problème, mais il est avec beaucoup de fierté, beaucoup de. J'ai dit tout à l'heure, moi je comprends parfaitement le kabyle quand quelqu'un s'exprime. Si je me dois de faire l'effort, c'est pareil pour l'arabe et c'est pareil pour le français. D'où. Oui. J'avais une dernière question pour clore le débat d'aujourd'hui, mais le débat n'est pas clos. Il faut revenir sur la richesse des contributions des 11 chercheurs. L'ouvrage est un apport considérable. Il y a beaucoup de pertinence, je le dis, et c'est ce que je comprends des résumés de vos interventions
d'aujourd'hui. Il faut lire concrètement parce qu'on a envie de comprendre l'état réel dans lequel on est, les dynamiques historiques que nous vivons à travers ces mouvements et les perspectives, parce que chacun de nos pays, justement, vit des réalités sur les mouvements amazighs. Mais il y a aussi une question qui se pose, c'est ces mouvements qui existent dans des pays différents ont-ils un avenir dans un espace à construire et qui serait un espace commun pour l'avenir? C'est pour ça que j'ai envie de poser cette question en termes de perspective. Comment voit professeur Djabi, Mouna et Samir, comment voyez-vous l'évolution de ces mouvements? Essayez de les ramener aux questions, ce qu'on a appelé tout à l'heure sur les impératifs de développement commun, ce qu'on peut tirer comme profit en commun de tous les peuples qui forment ce grand Maghreb, cette grande Tamazra, en termes de perspective. Allez-y en 2 minutes chacun pour clore le débat d'aujourd'hui. Allez-y, Samir. D'accord. Enfin, c'est sûr, c'est-à-dire, quand on parle sur le mouvement amazigh, c'est-à-dire, il est né des contradictions, c'est-à-dire politiques, économiques, sociales. D'ailleurs, tout à l'heure, on a soulevé la question de la crise du mouvement national, c'est-à-dire de l'expérience de l'État national, bien sûr, avec toutes ces contradictions. Et justement, le mouvement amazigh aussi, il intervient dans cette conjoncture, et c'est un mouvement d'émancipation, puisque dans ces revendications, dans ces dynamiques telles qu'on l'a vécu, c'est-à-dire dès le début jusqu'à aujourd'hui, on l'a vu en 49, c'était certains groupuscules qui posaient la question de l'identité, mais ils parlaient de la question d'émancipation du colonialisme français. Quand on le voit, son évolution dans les années 80, posait la question, c'est-à-dire de la démocratie, des droits de l'homme, de l'égalité sociale, c'est-à-dire de beaucoup de questions. Il est porteur, c'est-à-dire, ces mouvements-là, à mon sens, il est porteur de changements profonds et d'émancipation. Et ça dépendra bien sûr des conjonctures régionales. C'est-à-dire, je parle d'évolution, c'est-à-dire on ne peut pas le définir exactement, mais ça dépendra des évolutions et des forces sociales, bien sûr, qui vont le porter. Mais ces mouvements-là, à mon sens, ils sont porteurs de grand espoir pour pas uniquement pour les populations locales, mais toutes les populations de la rive sud de la Méditerranée et pourquoi pas vers le sud de l'Afrique aussi. Voilà pour 1 minute. Ok, très bien, merci beaucoup. Mouna. Alors, pour faire vite, je pense que la question de la mazérité comme... Bon, c'est ce qu'ils ont dit aussi des amis, c'est une question centrale aujourd'hui pour un certain nombre de mouvements associatifs. L'importance aujourd'hui de l'avenir de mouvements associatifs, de mouvements amazigh essentiellement en Afrique du Nord, c'est qu'il est porteur en fait d'un message démocratique. Cet message démocratique, c'est pour répondre en fait à la question de Jamida tout à l'heure, c'est justement parce que j'insistais sur la question de la mazérité et tout, c'est que on a construit en fait un espace post-colonial qui a été fondé sur le déni identitaire de ce qu'on est, d'accord. Et je pense que l'avenir de ces associations amazigh, c'est le refondement d'un nouveau lien, c'est créer un pont à la fois avec notre propre identité et aussi avec une forme de démocratisation qui permet de passer par différentes formes des institutions, essentiellement l'école, pour introduire au moins cette jeunesse montante, la question de la mazérité comme un élément identitaire extrêmement important. Et juste en fait pour parler pour répondre à Jamina, l'année dernière,
on faisait une enquête auprès des écoles marocaines sur la question d'apprentissage. C'est juste pour vous donner, ça n'a rien à voir avec le livre, mais c'est un élément d'enquête qui peut servir aussi pour comprendre un petit peu la question, de, pour nuancer ce que Samir disait tout à l'heure. Et quand on posait la question aux jeunes, parce qu'on a appris par la suite que au Maroc, il y a, le tifinagh, la langue amazigh, fait partie des cours d'enseignement. Sauf qu'on, malheureusement, à part dans la partie sud où c'est bien enseigné, dans l'ensemble du territoire marocain, on n'a pas assez d'enseignants pour enseigner l'amazigh. Et on a posé des questions, en fait, à des élèves, en fait, mais pourquoi, quand on vous fait le choix de choisir le tifinagh ou une autre langue, qu'est-ce qui fait, en fait, que vous ne la choisissez pas? Et c'était intéressant de voir des enfants dont les parents ne parlent pas amazigh et qui choisissent, en fait, d'apprendre l'amazigh au sein de l'école, parce que ça fait partie de leur identité, on l'a inculqué ça au sein de l'école. Et vous avez en fait d'autres élèves qui ne vont pas choisir l'amazigh comme langue, juste parce que pour eux, en fait, ils préfèrent apprendre une autre langue qui va leur permettre en fait une meilleure insertion au sein du marché du travail que d'apprendre une langue en fait où la question identitaire n'est pas posée pour eux. En fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on travaille sur le social, on est sur une diversité des choix d'acteurs. Et ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment certains ils vont faire de l'amazighité une identité principale, d'autres une identité secondaire. C'est-à-dire, en fait, notre objectif d'abord, c'est de comprendre. Je pense que le mouvement amazigh ne permet de suivre cette évolution, parce que il faut le dire, c'est grâce à eux aussi, grâce aux pressions de ces mouvements amazigh que nos institutions aujourd'hui, nos États aujourd'hui, on reconnaît, c'est d'ailleurs ce que Larbi avait dit au début, c'est que nos États ont reconnu en fait la langue amazigh sous pression. Ce n'était pas un choix démocratique, en fait, c'est un choix qui était fait sous pression. Et l'avenir de ce mouvement-là, est lié essentiellement à cette forme de pression qui va exercer sur les États qu'on a aujourd'hui, sur les régimes qu'on a aujourd'hui, pour tirer de plus en plus, en fait, davantage, pour construire justement ce rapport à notre propre histoire, en fait, à ce qu'on était avant. D'accord ? C'est pas de le ramener, de l'imposer aujourd'hui, c'est juste de construire, en fait, une histoire un peu apaisée avec ce qu'on était avant, en fait, parce qu'on a construit malheureusement, on a construit des individus complètement séparés de ce qu'ils sont réellement. Voilà, c'est un peu... Très, très bien, merci beaucoup Mouna. Je ne sais pas, on a perdu le fil avec notre ami Djabi, il aurait pu conclure. Donc, à mon tour de vous remercier, tous les quatre, on a perdu tout à l'heure notre ami de Tunisie. J'espère qu'on aura encore d'autres opportunités de revenir sur le livre, et particulièrement si on arrive à l'avoir entre les mains pour pouvoir lire le contenu, je suis certain, riche, en tout cas qui a suscité beaucoup de débats, beaucoup de réactions. J'aimerais Bark rassurer à ma façon. Je pense que Jamila pose un problème qui mérite débat, et peut-être c'est pour cette raison, je vais trop loin maintenant, vite, peut-être que vous n'allez pas me comprendre. C'est pour ça qu'il a suscité en Kabylie des débats beaucoup, depuis longtemps. C'est la question comment faire pour la survie de la culture, de la langue berbère. Ce que soulevait tout à l'heure Mouna, des intellectuels, des membres de l'élite de la militance kabyle, se le posaient aussi. Ils se posaient même la question du rôle de la femme restée à la maison. Est-ce qu'on ne peut pas lui attribuer un rôle, un statut particulier, spécifique, pour qu'elle entretienne et qu'on la mette au centre d'un effort de réappropriation. Ce ne serait pas normal qu'un enfant, moi je le dis et je suis de ce point de vue solidaire avec Jamila, mais je suis sûr que Samir est avec moi dans avec sa toi, réaction. Même. Avec toi même, tu es solidaire avec moi même. Non, avec moi, mais solidaire dans le point de vue, on l'a tous. Nos enfants parleront, surtout quand on est en Kabylie, quand on est en Algérie, dans une zone amazirophone, considéré comme amazirophone. On parle à la maison et on parle ailleurs. Les autonomistes et plus loin, les indépendantistes, considèrent que la survie de la langue, de la culture, de l'identité, des traditions, passe par l'existence de structures spécifiques par rapport à l'État central dans lesquelles
il y aurait possibilité pour des acteurs locaux d'assurer la reproduction de cette langue, de cette culture, de cette identité et des traditions. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat, même s'il a un lien avec le contenu du livre qui a été, l'ouvrage collectif qui a été publié, mais il mériterait aussi discussion. Certainement, Mouna, Samir, Djabi et d'autres auront à dire là-dessus parce que les enquêtes qu'ils ont abordées, qu'ils ont produites, les données ont certainement croisé des points de vue autonomistes, des points de vue indépendantistes qu'ils ont absolument. Et ailleurs, on parle, comme vous l'avez dit, les Rifains, c'est quelques individus, disait Mouna tout à l'heure, sur l'aspect indépendantiste. Et encore, c'est plus en termes d'accusation qu'en termes de revendication assumée. Alors qu'en Kabylie, c'est une revendication assumée. Ce n'est pas une tare. Quand on dit indépendantiste, quand on rencontre des amis à nous indépendantistes, je dis bien amis, hein, amis à nous indépendantistes, c'est quelque chose qui est assumé comme position et quelque chose qu'ils essayent de fonder sur le plan politique, sur le plan idéologique, sur le plan historique. Et l'objectif, c'est justement la préservation de cette culture, de cet héritage historique. En tout cas, merci beaucoup. Nous voulons toujours rester dans la sérénité. Amouhad, avant de... Mouna tout à l'heure a parlé de, il a donné l'exemple des écoles au Maroc là, un choix. Il va étudier ou pas Thémazir parce qu'il y a pas, son avenir ne serait pas assuré par la suite. Ben, parce que dans ces états là totalitaires, Thémazir est optionnel. Ce n'est pas, parce que moi je trouve que cette histoire-là d'une langue, la première langue d'un pays, est optionnelle. Le français et l'arabe, ce ne sont pas les langues de ce pays, de toute cette région. Mais Thémazir est optionnel. Alors, et si on mettait l'arabe comme langue optionnelle, est-ce qu'on aurait des réactions? Ils ne vont pas la choisir. Ils ne vont pas la choisir. Soyez sûrs, certains ne vont pas la choisir. Parce que le marché de travail est structuré par rapport à des langues étrangères, malheureusement. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut discuter tranquillement. Jamila. Juste à ce que les Algériens, 6 mois à Moscou, il apprend le russe. Mais en Algérie, parce que elle est optionnelle, de toute façon, il ne va pas crever s'il ne parle pas berbère. Donc, bien sûr, il ne va pas crever. À Moscou, tu vas crever si tu ne parles pas. Donc, il faut donner le poids à une langue. Il faut lui donner son poids. Il peut vivre avec cette langue. C'est pour ça que la chose, elle est systémique, elle est politique. Peu importe les acteurs qui sont en bas, si la volonté politique verrouille, on n'ira pas loin. Donc, d'autres mouvements indépendantistes ou autonomistes, notamment en Algérie. Très bien. En tout cas, les débats sont très sensibles, importants. On les abordera comme on a l'habitude de le faire, dans la sérénité, dans le respect. Merci beaucoup, Mouna. Merci beaucoup, Samir. Merci au professeur Djabi et à notre ami de Tunisie. Excusez-moi, c'est Kerroui, c'est ça? Kerroui. Qui était avec nous. Oui. Ah bah oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au plaisir. Salut. Au plaisir.